Yeah. Look, I gave Fat the location to my heart, and she got that in a jiffy. That's a peanut butter car. She a star. Matter of fact, more like a galaxy. So naturally, I enter in her space, latch on her waist like calories. Ooh. Only sacrifice greater than her was Calvary. Jesus Christ, my Lord, would be proud of me. Undoubtedly, I'm proud to be the only one. Alors, la thématique du jour. La femme aujourd'hui est-elle vraiment libre? Vous avez. Aujourd'hui, on a. Trois invités. Je vais vous laisser vous présenter, les filles, s'il vous plaît. On commence par qui? Par Sonia. Sonia, je t'en prie, présente-toi. Bonjour à tous, Sonia. 31 ans, mère de deux enfants. Voilà, je travaille en tant qu'implementation manager auprès de la Lufthansa. Et voilà. Mia. Mia Modam, mannequin modèle big size. Et puis voilà, styliste, rouleuse et puis coach. Et n'oublie pas de mentionner la collection que tu as créée aussi pour les femmes rondes. C'est quelque chose qui mérite d'être entendu. Ouais, bah, de toute façon, je vous donnerai après ma page pour pouvoir la découvrir. Parlez fort. Bonsoir tout le monde, donc moi c'est Logan, donc dans l'entrepreneuriat depuis 5 ans. Voilà, donc je vends des secrets de femmes, des produits qui viennent d'Afrique. Et je suis coach également. Et depuis 2 ans et demi dans la société LR en tant que distributrice. Voilà. Merci pour vos présentations. Yannick, à toi. Ouais, Yannick Yao, entrepreneur, consultant. J'aide les petites et moyennes sociétés à développer leur chiffre d'affaires via les réseaux sociaux. Et vous pouvez retrouver mon site qui s'appelle impulsionpro.co sur Internet. Merci à tous pour votre présentation et merci à tous d'avoir accepté cette invitation pour laquelle je suis très honorée. Aujourd'hui, on va parler de la femme d'aujourd'hui. Est-elle réellement libre? Vous allez avoir Yannick, mon partenaire avec qui je travaille aujourd'hui sur le développement de mon activité sur les réseaux sociaux, il va poser les questions. Donc la femme d'aujourd'hui est-elle réellement libre? Un regard plus profond sur la manière dont la femme en 2017 perçoit sa vie entre le rêve et la réalité. Donc n'hésitez pas à nous appeler au 09 70 40 55 20 pour donner votre avis et partager votre expérience. D'accord? Donc je vais commencer directement par une série de questions et j'y reviendrai, comme ça vous saurez de quoi on parle. Alors la première question, c'est: est-ce que vous avez une définition personnelle de la liberté? Si oui, quelle est-elle? Sinon, selon vous, qu'est-ce que la liberté? Quel est le but de votre vie? Quel est le rôle que vous pensez devoir jouer dans cette vie en tant que femme? La femme est-elle l'égale de l'homme? La société, les médias, les réseaux sociaux poussent à fond la carte de la femme indépendante, entre guillemets la femme libre. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Les femmes de notre époque ont dépassé les hommes. Si oui, dans quel domaine? Peut-on dire que ces femmes qui ont surpassé les hommes dans ces domaines sont des femmes qui ont réussi? Vrai ou faux, ces mêmes femmes, qui ont réussi se retrouvent souvent célibataires ou changent souvent de compagnon. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Bon, ce sont des séries de questions et il y en a d'autres qui suivront. Donc la première, comme je vous disais, est-ce que vous pouvez me donner une définition personnelle de la liberté, selon vous? Qu'est-ce que c'est la liberté? Puisque le thème, c'est: est-ce que les femmes d'aujourd'hui sont réellement libres? Un sujet, je crois, qui a été choisi par mes internautes avec qui j'ai fait le direct hier soir, mm-hmm. et qui ont été très réactifs et ont voulu qu'on aborde la liberté de la femme en France et dans différents continents aussi. Ok. Est-ce que vous avez une définition personnelle de la liberté, Logan? Je suis en train de réfléchir. Mia, est-ce que tu as une définition de la liberté? Qu'est-ce que c'est la liberté pour toi? Faire ce que tu as envie de faire, en fait, hein, sans devoir rien à personne. Ok. Surtout être libre de ses pensées, ouais. Sa manière de faire. Sonia, tu as une définition personnelle, tu rejoins? Ouais, non, c'est pareil. C'est sans avoir de limites, pouvoir dire ce qu'on pense et agir, j'allais dire,
comme on l'entend. Ok. Ne pas être influencé par... Voilà, ne pas être influencé par quelqu'un ou parce qu'une personne a fait telle chose, ben, je vais la suivre. Être soi-même. Être vraiment soi-même, en fait. Okay. Voilà. Est-ce que tu as autre chose comme définition à ça? Alors, la définition du mot liberté, en tout cas pour moi, c'est quelque chose qui est très subjectif et propre à chacun. D'autres, pour eux, la liberté, par exemple, on ne peut pas parler de la liberté pour une personne qui est emprisonnée, d'une personne qui est déjà dehors et qui est déjà emprisonnée de ses propres émotions. C'est deux choses différentes. Donc c'est subjectif et ça dépend vraiment des attentes de chacun. Mais en tout cas, comme vous l'avez très bien souligné, la liberté, c'est quelque chose qui n'a pas de prix aujourd'hui, qui est très important au développement d'une personne et qui permet aussi de pouvoir être heureux. Ok. J'ai recherché un petit peu sur Internet et je me suis arrêté sur la définition que donnait le Larousse. Et j'ai choisi deux phrases, parce qu'il en a donné plusieurs phrases, j'en ai choisi deux. La première, c'est la liberté, c'est l'état de quelqu'un qui n'est pas soumis à un maître. Mm-hmm. Ouais, c'est ce qu'elles ont souligné. Et la seconde, la liberté, c'est la possibilité d'agir selon ses propres choix, sans avoir à en référer à une autorité quelconque. Donc, quel est le but de votre vie, mesdames, puisque ça vous concerne surtout vous? Quel est le rôle que vous pensez devoir jouer dans cette vie en tant que femme? Dans quelle vie? Dans la vie présente. Oui, en fait, j'essaie de comprendre le lien par rapport à la liberté que tu dis. Donc, je ne comprends pas trop la question. Il y a un souci. Comment ça s'appelle? Mercredi ou mardi, mm-hmm. Assa a posé la question à ses internautes sur mm-hmm. Facebook. Mm-hmm. Quel est le sujet que vous voulez qu'on développe? Mm-hmm. Et évidemment, le sujet qu'ils ont choisi, c'est est-ce que la femme est réellement libre aujourd'hui? Mmh. Donc, par rapport à ça, je me focus sur vous. Mmh. Et j'essaie de trouver différentes questions qui vont se rapporter. D'accord. Ça fait comme un entonnoir. D'accord. Donc, aujourd'hui, c'est... Enfin, la question que je pose, est-ce que vous pensez que vous avez un rôle défini en tant que femme? Par rapport à la liberté ou... Par rapport à vous, non, c'est une question totalement ouverte. Est-ce que vous pensez qu'en tant que femme, vous avez un rôle défini ou c'est comme les hommes? Enfin, c'est n'importe. Il n'y a pas forcément de rôle défini, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Je sais pas. Attends, je réfléchis. Le rôle d'une femme concrètement, c'est ça? La question. Oui, je pense que c'est ça. C'est ça. Non. Non, pas le rôle d'une femme. Non, quel est le rôle de nous-mêmes en tant que femme? Où on se voit femme? En fait, ce que tu es en train de demander, c'est notre liberté à nous en tant que femme. C'est ça en fait. Non, ce que je vous demande, c'est est-ce que vous pensez que vous avez un rôle? Est-ce que vous avez un objectif? Bien sûr qu'elles ont un rôle, les filles, vous avez un rôle. Déjà, rien que par rapport au projet de Mia, je pense que ça aurait... tu te sentirais pas à l'aise dans ce rôle-là, tu ne mettrais pas autant d'action et d'énergie dedans. Non. Et je me sens vraiment comme une leader en fait. Une leader qui met la main à la pâte pour pouvoir s'en servir d'exemple, mais tout autant en poussant les autres à s'assumer, par exemple, à s'aimer elle-même et à s'assumer. À vouloir mettre leur grandeur en avant, en fait, à être elle-même. Si c'est la nature qui t'a mise en mode femme ronde, aujourd'hui, moi, j'ai envie de te montrer que, en tant que femme leader, en tant que femme libre, indépendante, je te donne un exemple, je te donne l'exemple que toi-même, tu peux être indépendante sans pouvoir te fixer sur les autres, en fait. J'ai essayé de resserrer. Est-ce que vous pensez que vous avez toutes le même rôle en tant que femme? Je parle de la femme. Après, chacun a sa vision. Parce que j'ai compris par rapport à toi, ton activité, et par rapport à tes formes et tout, que tu essaies de délivrer un certain message. Mm-hmm. Est-ce que vous pensez que vous avez un objectif commun en tant que femme? Mais je pense que ça dépend de la vie de chacun aussi. Tiens. Parce que moi, personnellement. Non, mais c'est vrai. Moi, personnellement, moi, mon rôle aujourd'hui, c'est mes enfants, c'est. Enfin, voilà. J'ai pas d'autre rôle, on va dire, entre guillemets. T'as pas d'autre rôle que côté enfant? Toi, aujourd'hui, ta vie, tu vas pas avec tes enfants. Tu te vois pas faire autre chose. Non, mais j'ai pas d'autre rôle actuellement. C'est pas je me vois pas, c'est actuellement. Mais tu travailles, mon travail et mes enfants, j'ai pas d'autre rôle. Mais est-ce que tu peux pas être une femme inspirante dans ton travail? Essayer de t'épanouir en tant que femme, puisque quand tu me dis les enfants, c'est en tant que maman. Mais est-ce que tu peux pas trouver un certain épanouissement
dans d'autres activités ou ne serait-ce que dans ton travail? Parce que quand non, tu... Non, mais si, dans, mais, enfin, oui, je travaille, donc, forcément, mais c'est juste mon travail. Après, je pense que la question, sans vouloir t'interrompre, je pense que la question de Yannick, elle est plutôt orientée sur du long terme, parce que l'objectif, là, c'est pas sur du maintenant, c'est sur du long terme, dans 5-10 ans. Est-ce que dans ta vie, concrètement, quelle est ta mission, en fait? Voilà, ta mission, ta mission, qu'est-ce que tu veux voir? C'est qu'ils deviennent grands, qu'ils soient autonomes, qu'ils se gèrent, voilà. C'est d'en faire des personnes meilleures, mais... Et aujourd'hui, oui, c'est ça mon but premier, c'est que mes enfants, ils deviennent quelqu'un. Et toi, est-ce qu'il y en a d'autres, en fait, dans ta tête? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont enfouies en toi que tu as envie d'extérioriser, que tu as envie de développer? Parce qu'il a bien dit, en tant que femme, pas en tant que maman, en tant que femme, c'est-à-dire, avant d'être maman, tu es une femme. Ça veut dire, ta personne, toi-même, est-ce que tu te vois, par exemple, développer un business pour être une personne inspirante, pour impacter, peut-être recruter peut-être des personnes ou je ne sais pas. Est-ce que c'est ça, en fait? Est-ce qu'il y a d'autres passions hormis les enfants? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est là comme ça avec nos enfants, mais les enfants sont ingrats. À un moment donné, à 20, 25 ans, ils vont rencontrer leur go, leur gars, ils ne vont pas réfléchir. Ils vont pas réfléchir pour dire ah ma maman elle a fait des choses pour moi, je vais essayer de rester avec elle. Non, ils vont rencontrer une petite choupette, ils vont partir et on va vivre seul. Tu vois ce que je veux dire? On n'a qu'une vie, la vie elle est courte. Non, mais tu vas comprendre, mais c'est peut-être à ce moment-là où je me déciderai à faire quelque chose. Mais pour l'instant, à l'heure actuelle, à l'instant T, j'ai pas d'autre. Donc là, t'as pas de rêve. Je pense que c'est triste. Laissez-moi parler. Ah ouais, c'est triste, mais peut-être qu'elle est épanouie, elle, comme ça dedans. Ah, attendez. Peut-être qu'elle est heureuse en voyant à un moment donné ou... Comment ça se passe? Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui trouvent le bonheur à travers leurs enfants. Donc si je peux me permettre. Bien sûr, mademoiselle. Ça va bien se passer. Toujours. Oui, donc mon but premier aujourd'hui, c'est de faire que mes garçons deviennent des choses, plutôt des personnes responsables, autonomes, etc. Après, oui, bien sûr, j'ai mon épanouissement professionnel, côté professionnel, et pour l'instant je suis à l'étape où j'avais envie d'être au niveau professionnel, c'est bien, et peut-être qu'après éventuellement j'aurai d'autres passions mais ou d'autres choses où j'aimerais m'accomplir, mais pour l'instant là tout de suite à l'instant pour l'instant je l'ai mis à côté. Ouais, c'est ça en fait pour l'instant, et puis j'ai pas forcément d'idées concrètes ou de choses. C'est le brouillon, c'est encore le brouillon dans ma tête. Donc je suis pas en train de me dire je vais dans cette direction, c'est ça que je veux faire, mais je mets de côté parce que j'ai mes enfants. Non. T'as jamais mis sur une feuille, par exemple, les choses où tu sens que tu as un talent et les choses que tu aimerais perfectionner, justement. Non. Les choses qui te passionnent, peut-être tu es créatif, tu aimes dessiner, peut-être que tu aimes l'informatique, mais tu aimerais apprendre certains logiciels. Tu l'as jamais... Je pense que tu devrais le faire, justement, pour savoir. Vous avez toutes ici une activité, transverse, hormis votre éventuel travail ou j'en sais rien. Moi, j'ai pas ça, moi. Et honnêtement, pour l'instant, j'ai pas l'envie, ni le besoin. Après, je te parle dans tous les domaines, c'est-à-dire même un loisir. Qu'est-ce qui te pousse à penser qu'il faudrait c'est un objectif d'être inspirant et tout ça? Non, pas forcément, mais c'est le fait qu'elle me dise que, en fait, c'est que ses enfants. C'est ma question. Pourquoi c'est pas assez d'être que ses enfants? Très bonne question. Moi, je trouve qu'elle met de côté, en fait. C'est ça. Moi, je trouve qu'elle se met de côté. Et pour moi, avant d'être une maman, c'est une femme avant tout. Et elle doit faire aussi des choses pour elle-même. C'est ça en fait. Est-ce que le fait de prioriser ou de n'avoir éventuellement que ses enfants sur lesquels elle s'occupe, ce n'est pas plus important que taf, ambition totalement liée à l'argent? Est-ce que ce n'est pas plus important ça, ce qu'elle est en train de dire? Non, c'est important de mettre ses enfants en avant, mais c'est le fait en fait qu'elle dise qu'elle n'a que ça en fait. Pourquoi tu n'arrives pas à entendre que elle, c'est suffisant pour elle? Oui, c'est ça. Moi, je me dis que non. Si tu n'as que les enfants, moi je me dis que toi-même, en tant que femme, tu te délaisses en fait. C'est ça en fait. Qui vous a amené à cette réflexion de se dire, ok, il faut absolument que j'ai une activité où je sois entrepreneur? Qui vous a amené à cette réflexion-là? C'est vous? C'est pas obligé que ça soit. Non, mais pas obligé, entrepreneur. Mais quelque chose, ça peut être un loisir, quelque chose. J'ai pas dit que je faisais pas de loisir. C'est là où c'est la différence.
Je n'ai pas dit que je ne faisais pas de loisirs. Attention, je voyage sans mes enfants. Je fais énormément de choses sans mes enfants. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, mon objectif premier pour plus tard, c'est que mes enfants deviennent, qu'est-ce que j'ai dit, des personnes autonomes qui se gèrent eux-mêmes. Et ça, pour moi, ce serait mon meilleur accomplissement. Alors, comme je le dis... Au-delà de ce que, d'une activité ou d'entreprise que j'aurais pu développer. Pour moi, c'est plus important, mes enfants. Comme je le dis et comme je le dirai toujours, si une femme est épanouie en étant sur le terrain à combattre comme Mia ou à proposer des services comme Logan, c'est votre choix. Après, elle peut-être qu'elle a son parcours qui fait qu'aujourd'hui son bonheur passe à travers ses enfants. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut concevoir. Il faut savoir accepter. Il faut savoir accepter qu'on n'a pas tous la même typologie de bonheur. Mm-hmm. Je pense. En tout cas, c'est ma perception des choses. Quel est le rôle que tu penses que tu dois avoir en tant que femme, toi, Logan? Le rôle que je dois avoir en tant que femme. Enfin, quel est le rôle que tu te destines? Parce que visiblement, je pensais que vous étiez plus unis, enfin, même si j'ai fait que vous étiez désunis en fait. Ouais. Mais sur cette question-là, de la femme d'aujourd'hui est-elle réellement libre? Je savais qu'il y avait, des désaccords entre vous. Mm-hmm. Juste par rapport à ce point-là qu'on vient de soulever. Toi, en tant que femme de 2017, quel est le rôle tu penses que vous avez, vous? Que l'on a ou que moi j'ai? En tant que femme, je parle des femmes dans un seul groupe. Je peux juste couper deux secondes? Je t'en prie. Je vais juste répondre à Erika. Elle dit une femme doit prendre du temps pour soi. Erika, à aucun moment... Merci. On prendra la question, t'inquiète pas. Non, mais c'est pas parce que là, j'ai peur d'oublier. Donc, je voulais juste te dire, Erika, qu'en effet, je prends du temps pour moi, mais comme j'ai dit et je le redis, ça ne m'empêche pas de faire mes activités à côté, mes loisirs, mes moments de détente sans mes enfants. Mais aujourd'hui, pour moi, l'avenir, c'est où je vois ma direction en tant que femme et ce que j'ai envie de faire et d'accomplir, c'est l'accomplissement, on va dire, total de mes enfants pour plus tard. Voilà, et c'est ça mon objectif. Voilà. Okay. Mais je prends du temps pour moi. Alors, Logan, la nouvelle femme de 2017, quel est son objectif? Quel est son rôle à ton avis? Et en fait, chaque femme de 2017 a son rôle, en fait. C'est pas toutes les femmes de 2017 qui doivent avoir le même rôle. Mmh. Enfin, chaque personne a son caractère, sa personnalité, son vécu, enfin... On n'a pas toutes la même vision en fait. D'accord. Il y en a pas toutes les mêmes envies, on n'a pas toutes les mêmes passions, enfin non. D'accord. Toi, quel est ton objectif, quel est ton rôle dans ce temps présent? Pour revenir en fait à ce que je disais à Sonia, pardon. Pourquoi en fait je lui ai dit ça? Parce que moi je sais que pendant plusieurs années c'était que mes enfants. C'est-à-dire qu'au point que je ne travaillais pas du tout en fait. Voilà, je ne travaillais pas, c'était que le père des enfants qui travaillait. Et oui, mais voilà. Et je faisais vraiment, c'était que mes enfants, 24 heures sur 24. Et en fait, moi ça me pesait et je m'oubliais moi-même en fait. Et le truc c'est que j'avais. Je sais, tu travailles. Mais ce que je veux dire c'est que j'avais pas d'autres pensées que mes enfants. Donc je savais pas ce que c'était, comment dirais-je, la question que tu as posée tout à l'heure, qu'est-ce qu'on se voit faire après, quelles sont les choses que l'on sait développer, en tant que femme, etc. C'est des choses que je ne pensais pas en fait. Et c'est vrai que là maintenant, étant donné que ça a un peu changé, eh bien, c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, j'étais pas totalement accomplie avant justement. Moi, je ressentais au fond de moi que je n'étais pas totalement accomplie. Il y avait un manque. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, j'essaye de faire les deux parce que j'ai envie d'être une femme accomplie, mais dans les deux domaines. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je veux que, que mes enfants aient une bonne vie, leur dire que voilà, qu'ils fassent des études, etc. Ok. Mais à côté de ça, j'ai envie aussi d'être épanouie par moi-même, de faire des choses qui me plaisent et de ne pas me délaisser comme j'ai pu le faire avant. Parce que oui, on doit aimer ses enfants, mais pour aimer ses enfants, il faut que nous-mêmes, nous soyons bien. Et moi, je suis arrivée à un stade où, comme je n'étais pas bien, j'avais des difficultés ou des petites choses. J'étais moins patiente avec mes enfants, on ressentait la fatigue ou bref, différentes choses parce que... il y a 20 ans que je n'étais pas épanouie, je faisais que d'être maman. Et là maintenant, depuis que je suis dans la vie active, que j'ai des projets sur le long terme, etc.
ils ont, comment dirais-je, je fais mieux mon rôle de maman, en fait, tout simplement. Tu réalises ? Voilà. D'accord. Dirais-tu qu'auparavant, pendant que tu sois maintenant dans cette situation-là, tu n'étais pas libre ? C'est pas que je n'étais pas libre, mais ça me prenait beaucoup de mon temps. C'est quoi qui te prenait beaucoup de ton temps? Le fait de, d'être 24 heures avec eux, donc t'as pas le temps de faire d'autres choses à côté, t'as pas le temps de prendre du temps pour toi. Par exemple, là, je fais LR et je fais des secrets de femmes, mais tous les jours, je suis en formation aussi. Je suis en formation avec mon mentor, etc. C'est des choses que j'aurais pas eu le temps de faire. Et là, du coup, c'est quoi qui fait qu'aujourd'hui tu as ce temps que tu n'avais pas avant? D'où vient ce décalage de gestion de temps? Ils ont un peu grandi, ils sont à l'école. Voilà. Surtout que des jumeaux, c'est compliqué. Surtout quand il n'y a pas le papa et la grande en même temps qui est un petit peu jalouse parce que les jumeaux sont petits et on s'en occupe. Donc, j'arrivais pas du tout à gérer. Là, maintenant, ils sont à l'école, donc ça va. Et puis, le truc, au fait, la question, elle est très intéressante puisque ça m'a permis aussi, de mieux me connaître, de connaître des qualités insoupçonnées, d'avoir un certain apprentissage et justement, de voir sur le long terme. C'est quelque chose que je n'étais pas capable de faire avant, justement. Donc, c'est pour ça que, je suis contente, là. Voilà. C'est quelque chose que je ne faisais pas. Ok. Et moi, je me sens pas malheureuse. Non, j'ai pas dit ça. Moi, j'étais pas malheureuse, pas du tout. J'étais pas du tout malheureuse, mais cette question-là, elle me l'aurait posée il y a un an et demi, deux ans, j'aurais été incapable de lui répondre, en fait. C'est dans ce sens-là. Voilà. Après, moi, je t'ai pas dit que t'es malheureuse. C'est juste que... J'ai pas dit ça. J'ai juste dit que, comme tu as dit, en fait, que tu ne vois pas les autres domaines où tu pourrais, être dedans et tout. Je me suis pas posé la question, c'est juste ça. Voilà, c'est ça, en fait. J'ai pas ressenti la nécessité de poser cette question. Non, je sais que t'es heureuse, tu m'as proposé de sortir même. Donc c'est que... Non, mais voilà. j'ai pas ressenti le besoin de me poser la question de ce que je voulais faire plus tard. Ou après, je me poserai la question quand je ressentirai le besoin. Voilà, aujourd'hui, je suffis totalement. Et la meilleure manière... Et la meilleure manière d'avoir une mission, un objectif qui nous convient, c'est... Il doit venir de nous. Exactement. Il ne doit pas venir de me dire, il y a quatre femmes sur la table, les quatre, elles ont un truc, moi, j'ai pas de truc, non, il faut que je me mette au taquet pour pouvoir être à leur niveau. Non. L'entrepreneuriat que tu as envie de mettre en place doit venir du cœur. Tu dois dire, quelles sont mes forces, qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer, quelles sont mes faiblesses, qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer dans mes faiblesses, dans quelle direction j'ai envie d'emmener toutes ces forces et ces faiblesses que j'ai pour pouvoir apporter quelque chose en plus déjà à moi-même qui pourra par la suite être utile à la société, à la communauté et au monde, pourquoi pas. Donc attention à ça, faites des trucs parce que vous avez envie de les faire. Exactement. Et non pas pour copier les gens ou être en compétition avec des gens. Exactement, tout à fait. Voilà. Mia, toi qui es un peu plus jeune, quelle est ta définition, quel est ton but, quels sont tes objectifs dans cette vie présente? Merci de nous vieillir, c'est très amusant. Je tenais à le souligner. Elle est juste plus jeune, c'est toi. Non, franchement, actuellement, le seul but de la vie que j'ai, c'est réussir à mettre la femme ronde au devant de la scène. Ouais. Comme le tarisse que la femme ronde. De quoi? Et comme le tarisse, il n'y a que la femme ronde pour elle. Pour moi, je vois que la femme ronde. Même pour parce moi. Que c'est ça qui est dégradé pour l'instant. Même pour moi. Ah ouais? Je ne vois que ça. Montrer qu'on peut être bien, mais. En étant ronde. Ouais, moi je suis d'accord. Tout en étant ronde. Alors le truc, c'est quoi? C'est qu'elle est très intéressante à cause, Mia. Mais il y a certaines catégories de femmes qui sont rondes. Il faut qu'elles prennent le temps de revoir leur valeur à ce niveau-là. Donc du coup, de l'accepter. Mais il y en a d'autres où, personnellement, en termes de santé, à partir du moment où ta santé est en danger, etc., Faut prendre d'autres mesures pour pouvoir pallier à cette problématique-là. Donc c'est bien beau de dire, défends, assume-toi, etc. Un avis qui est vraiment très dur face à la femme ronde parce que la personne ne connaît pas ton état de santé et la personne va automatiquement dire « Ah ben tu es feignante, tu as le diabète, tu as le cholestérol, tu ne fais pas de sport. » Non, moi par exemple le mannequin que j'aime beaucoup c'est Ashley Graham, tous les jours elle fait du sport, elle n'a pas de problème de santé. Être ronde c'est pas signe de maladie et de mort. Une femme ronde elle peut être aussi dynamique,
et ça apprécie aussi en fait. Après, si c'est vraiment l'obésité morbide, là, oui. Est-ce possible de rappeler ce que chacune fait? Alors, on relira les questions après, les filles, comme ça, c'est concentré. Mais de toutes les façons, la personne style wax, si tu veux savoir ce que chacune fait, c'est super simple. Quand la vidéo sera éteinte, et ben. Tu reverras direct sur YouTube. Aussi, et voilà. Tout sera indiqué. Tout à fait. Et tu peux même déjà regarder sur YouTube, la plupart des filles qui sont là, elles sont déjà venues. Tu peux revoir leur activité qu'elles proposent à travers les anciennes vidéos où elles étaient présentes. À toi. Quel est l'objectif de la femme dans cette vie présente? Alors, je pense que l'objectif de la femme dans cette vie présente, en un premier temps, en tout cas, je ne parlais pas vraiment en tant que musulmane, mais en tant que femme déjà, c'est d'agrandir la communauté musulmane, ou chrétienne, ou autre, hein, ou juive, en faisant des enfants, en se mariant, en ayant une vie de famille complète. Et à travers ça, si la femme elle a envie d'aller plus loin, de se créer un développement personnel à côté, elle peut le faire comme voilà, Mia, Logan, etc. ou moi. Mais je pense que la femme aujourd'hui, concrètement, sa mission et son bonheur, comme il l'a soulevé sous les mains tout à l'heure, c'est d'avoir une vie de famille et mettre de la joie et de la bonne humeur et du bonheur dans sa vie de famille. Après, vous allez vous dire, oui, à ça, elle est très, comment dirais-je, très à l'ancienne. Ouais, je suis à l'ancienne, je l'assume. Diriez-vous, je ne dis pas qu'il ne faut pas être terrain, on peut être terrain, mais à la base, en tout cas pour la femme, pour moi, la première des objectifs, c'est de fonder sa famille. Est-ce que vous pensez que vous êtes plus libre que vos arrière-grand-mères? Totalement, moi je dis. Elle a beaucoup plus de liberté de bouche qu'elle. De bouche. On a un son entend les femmes d'aujourd'hui, mais moi j'en fais partie. Est-ce mieux? Est-ce que vous trouvez que c'est mieux dans l'évolution du temps? Est-ce que vous êtes plus heureuse que vos arrière-grand-mères, vous direz? Est-ce que vous avez plus de liberté? Moi, je dirais que... Je dirais qu'en fait, on nous a tellement... Enfin, on nous a... On a grandi. Enfin, pour la plupart des personnes... Pas forcément. On a grandi en France. Et du coup, c'est... Comment dire? Pourquoi tu veux sous-peser tes mots? Balance comme c'est. En fait, ce que tu veux dire, on a grandi en France et du coup, on a une double culture. Je peux redire? Oui, bien sûr. Je voulais juste t'aider. Oui, attends. Couper. Ça y est, j'ai contaminé 4 personnes là, ça a blessé la semaine. Donc, ce que je veux dire, c'est que donc, on a grandi en France et fatalement, on est. On a plus de. Comment dire ça, de bouche. Sauf que aujourd'hui, c'est compliqué de gérer les bouches. C'est-à-dire? Surtout. Merci d'avoir un appel. Ah. Que allô, oui? Allô, oui, bonjour. Bonsoir. À qui est-ce le maire? Oui, alors en fait, elle m'a nommé, je ne voudrais pas évoquer mon prénom. D'accord. Utilise un pseudo. Si c'est possible. Utilise un pseudo. Allô, vous m'écoutez? Oui, on vous entend, mademoiselle. Est-ce que déjà, pour commencer, vous pouvez... En fait, j'aurais une dédicace en fait, à faire à ça. En fait... En tout cas, c'est une personne que tu connais très bien et que tu aimes déposer sur la route. Donc voilà. Donc, que j'aime déposer sur la route? Donc toi, tu ramasses les trucs. Oui, je voudrais en fait un peu aborder ce thème parce que ce thème, vraiment, j'aime beaucoup ce thème. Ah bon? Oui, j'aime beaucoup déposer les gens sur la route. Je vois, c'est qui? Bon, mademoiselle, on te dépose sur la route. Est-ce que tu peux couper le son derrière toi, du direct? Comme ça, on va t'entendre bien. Effectivement. Ouais, c'est mieux comme ça. C'est parfait. Effectivement, merci. Je t'en prie. Alors, donc, oui, ce thème, vraiment, je l'attendais un peu parce que, effectivement, on avait un peu des thèmes un peu répétitifs. Là, franchement, c'est centré sur la femme. Ça nous parle réellement. Ça, en tout cas, moi, ça me parle réellement. En fait, aujourd'hui, la femme d'aujourd'hui. Quelle approche on doit avoir, quelles difficultés qu'on rencontre, vraiment, et je voudrais vraiment avoir effectivement l'opinion de chacune par vos opinions, vos avis, surtout maintenant la femme
aujourd'hui et surtout qu'est-ce qu'elle va devenir. Parce qu'on est confronté vraiment à un choc générationnel premièrement. Après, c'est mon avis. Je suis d'accord. Et puis, deuxièmement, aussi, on est confronté aussi à la société qui renvoie une image de la femme plutôt négative. Exemple, je prends, il n'y a pas si longtemps, une publicité d'homme. Je pense que, par exemple, vous en avez un peu... Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité. Oui, on a suivi l'actualité et moi personnellement, je pense que c'est un sujet. Après, je ne veux pas dire qu'il ne mérite pas d'être traité. Hein. Je ne suis pas en train de dire ça, mais je pense que c'est une perte de temps totale. C'est mon point de vue. Ah oui. Qu'est-ce que tu penses toi du sujet de ce soir? Est-ce que tu penses qu'en tant que femme, tu es libre par rapport au passé? Il y a une certaine liberté, oui, dans nos actions, dans nos faits, dans le fait que on a le choix surtout. Dans quoi? On a le choix d'entreprendre notre vie comme on l'entend. Mmh. On a le choix de choisir, tout simplement aussi. C'est important, je pense aussi, par exemple, d'avoir des longues. D'entreprendre plutôt des longues études, d'avoir tel métier. Alors qu'avant, vraiment, c'était par rapport au souhait des parents, on faisait beaucoup plaisir aux parents. Sinon, c'était par dépit. Parce que voilà, quand on a un enfant, on se dit à l'époque, on se disait, ah voilà, on a un enfant, on prend vraiment le métier qui nous passe sur la main pour le nourrir. Aujourd'hui, je pense que la femme, elle s'est émancipée beaucoup. Elle est devenue indépendante. Mais d'un autre côté aussi, elle est beaucoup restreinte sous la contrainte de l'image de la société. Je veux dire par là qu'en fait, les femmes, elles sont beaucoup influençables par rapport en fait, à l'image que la société renvoie. Par exemple, de nos jours, une femme ronde est très mal acceptée. Une femme, par exemple, qui a des enfants au milieu professionnel aussi, elle est mal acceptée. Une femme qui a des enfants n'est pas acceptée dans le milieu professionnel. Ouais. Elle est mal acceptée, oui, effectivement. Mmh. Aujourd'hui, lors d'un recrutement, par exemple, une femme aujourd'hui, ça c'est clair, on va prendre deux femmes par exemple, qui a les mêmes compétences, qui a le même CV, mais aujourd'hui, le recruteur, il sera plus penché sur la femme qui n'a pas d'enfant que la femme qui a un enfant. Pourquoi? Parce que pour lui, il va dire, ah si elle a un enfant, ça veut dire que peut-être elle sera absente, elle ne va pas se donner à 100% au travail, il y aura des retards, etc. etc. Aussi, je renvoie aussi au manque de solidarité vraiment entre les femmes. Je trouve que les femmes, personnellement pour moi, les femmes d'avant étaient plus solidaires que les femmes aujourd'hui. C'est clair, c'est sûr. Personnellement, je vois beaucoup de femmes qui sont entreprenantes et franchement, je les félicite parce que de nos jours, surtout en France, c'est très difficile d'entreprendre, que ce soit un projet, que ce soit même une entreprise ou quoi que ce soit. Et je vois qu'il y a un manque de solidarité. Le premier manque de solidarité que je vois, c'est tout de suite la femme. Tout à fait. Les femmes qui sont... Les hommes, ils sont plus solidaires. Oui. Est-ce que vous êtes plus heureuse alors qu'auparavant? Puisque vous avez plus de liberté, dans notre cas, oui, effectivement, je suis plus heureuse dans le sens où je peux prendre mes propres décisions, je peux m'emanciper, j'ai le choix, effectivement, d'entreprendre, et puis j'ai surtout la possibilité. Après, je pense que ça influence aussi par rapport au pays d'où on vient, et surtout par rapport aux coutumes aussi. Et surtout aussi, plutôt effectivement énormément déçu, c'est le manque vraiment de solidarité entre nous les femmes, vraiment. Et c'est dommage. Parce qu'avant, effectivement, je remarquais qu'avant, effectivement, les femmes étaient plus solidaires. Quand je vois le droit des femmes, les femmes se sont battues, et tant d'autres, le droit vraiment... Elles ont accompli des choses concrètes. Vraiment d'accéder à tel service, à tel milieu professionnel, et aujourd'hui, de voir que lorsque y a une femme qui réussit, pas l'autre, et une autre femme qui peut lui mettre les bâtons dans les roues, je trouve quand même c'est décevant et ça donne une image dégradante de la femme. Ouais. Voilà le point négatif. Mais à part ça, vraiment, oui, effectivement. Donc au final,
la femme entrepreneur. Donc au final, tu valides que les femmes, aujourd'hui, on a beaucoup de choses. On a beaucoup d'outils qui nous permettent d'être beaucoup plus heureuses, donc beaucoup plus épanouies. Mais au final, le résultat... Hein? Après, oui, oui, effectivement, carrément. Après, ça dépend vraiment de la volonté de la femme, je veux dire, de comment elle perçoit sa vie. Après, ça dépend donc de c'est tout propre à chacun. Est-ce que, okay. Voilà, est-ce que la femme est entreprenante? Est-ce qu'elle est, elle est décidée de prendre tel objectif, d'aller jusqu'au bout, surtout, c'est important. Ouais. Parce que je pense qu'on peut parler, mais après, c'est les actions qui parlent. Bien sûr. Le plus. Et surtout, c'est d'obtenir, c'est de réaliser nos objectifs, voilà, en tant que femme, surtout parce que c'est très difficile dans certains milieux, dans certains pays. Moi, en tout cas, je parle ici en France. Il faut savoir qu'ici, personnellement, pour moi, en France, on a vraiment, moi qui travaille dans le milieu social, vraiment, je vois qu'on a vraiment, on a vraiment la possibilité, on a vraiment un champ d'action tellement large, ouais. Élargi surtout. Il y a du travail sur le terrain. Il y a du travail, ouais. Mais les gens ne veulent pas travailler pour moi. Surtout, je pense, plutôt les femmes ne veulent plus. Mais franchement, je félicite vraiment mes sœurs, les femmes qui sont vraiment entreprenantes, les filles qui poursuivent vraiment des études universitaires parce que c'est de plus en plus dur, de plus en plus difficile. Les femmes, oui, qui ont par exemple un métier et qui ont des enfants à côté, qui vivent seules, c'est très difficile de ne pas compter sur telle ou telle personne. Ça, je les félicite aussi, les femmes vraiment qui ont des responsabilités aussi. Okay. Voilà, dans les milieux professionnels, c'est important. Okay. Et c'est important, je trouve, vraiment, surtout dans ce milieu-là professionnel, de créer vraiment un réseau. Ok. De constituer un réseau, voilà. Ok, bah écoute, je te remercie beaucoup, l'anonyme, pour ta participation qui fut très enrichissante et très intéressante. Et merci aussi pour cette dédicace. Et je pense que toutes ces femmes qui écouteront cette vidéo comprendront la démarche qu'il faut mettre en place aujourd'hui pour pouvoir contribuer et développer quelque chose. Hein? D'accord. C'est bon, Lana. On va passer une bonne soirée. Merci. Et je vais continuer de vous voir. C'est voilà. Très bien. Merci beaucoup. À tout à l'heure, Lana. Oui, excusez-moi. PS, l'un qui parmi vous, elle voit très clairement. Merci. Donc c'est comme ça maintenant. Parce que c'est quelqu'un d'intellectuel. Il va râler Cassie, Léa, c'est comment? Mais bien sûr. Mais grave. Là, c'est à 10h total que tu viens de commencer là. Toi aussi. Salut. Bisous, ma belle, ciao. Donc toi c'est comme ça, tu essaies de charmer les gens. Je vais m'asseoir, hein. Je vais continuer. Pardon, tu n'as qu'à lire la question suivante. Ouais. Tu peux voir en plus. Hein. Sonia, j'ai oublié ce que tu disais, je pense que toi aussi. Non, j'ai pas oublié. Ah vas-y, continue, alors sois pas lancé. Donc je disais, donc on a grandi en France, on a grandi donc avec le fait d'avoir la bouche, voilà, comme on dit, mais je sais pas trop comment le dire, d'une manière un peu plus... Enfin, déjà fort. Ah oui. Donc, fatalement, donc, tu disais par rapport à nos grands-mères ou à nos arrière-grands-mères, etc. Ouais. Je pense que pour elles, c'était plus compliqué intérieurement. Mmh. En quoi? Intérieurement, continue intérieurement, va plus loin. Mais c'est-à-dire qu'elle n'osait pas dire ce qu'elle pensait. En termes d'outils à disposition, bah, elle était peut-être un peu plus soumise. Voilà, un peu plus de soumission. D'accord. Nous aujourd'hui, c'est pas notre cas. J'écarquille bien les yeux pour que tu comprennes bien ma démarche. Voilà. Aujourd'hui, donc ce n'est pas notre cas à nous, mais aujourd'hui, en effet, on remarque que le fait aujourd'hui de revendiquer nos idées, de dire constamment et perpétuellement ce qu'on ressent et des fois d'être régulièrement dans la contradiction avec peut-être son partenaire, avec peut-être ses parents, ben ça complique les relations. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Ok. Parfait. Est-ce que vous comprenez que le fait d'avoir plus de liberté, ça entraîne aussi plus de responsabilités, plus de devoirs? Bien sûr. Plus de relations en termes de terrain. On est sûr, parce que j'ai l'impression que vous vous plaignez beaucoup. C'est mon ressenti, que vous plaignez beaucoup. Alors que vous avez plus de liberté, si on comprend que vous avez beaucoup plus de devoirs en fait. Comme vous voulez être libre, ce qui est naturel,
mais ça entraîne aussi une contrepartie. Des choses à sacrifier. Pas forcément à sacrifier. Bah, si, clairement. Ah, c'est deux choses. Qu'est-ce que tu entends par plus de devoirs, par exemple, le fait qu'on ait plus de liberté qui est... Quel exemple de devoir, par exemple, qu'on a plus aujourd'hui du fait de notre liberté, de notre plus grande liberté? Je vais essayer de rentrer dans la relation homme-femme. Aujourd'hui, je dirais que beaucoup de femmes veulent un homme qui puisse... Quand vous allez au resto, par exemple, c'est l'homme qui paye. Mais c'est normal. Très bien, il n'y a pas de souci. Donc tu veux un homme à l'ancienne. Tu veux un homme à l'ancienne, je dirais. Sauf que quand vous avez plus de liberté, que vous gagnez autant, il serait normalement normal de payer chacun sa part, ou que même vous payez. Je pense qu'il ne faut pas généraliser non plus. En fait, les gens, j'ai l'impression, ils veulent les avantages du passé et les avantages du présent. Au bout d'un moment, il faut faire un choix. Tu ne veux pas avoir les femmes qui disent non, moi je ne payerai pas un restaurant à mon homme parce que c'est à lui de payer, c'est à lui de payer le loyer, etc. Je l'entends. Mais dans ces cas-là, est le comportement d'une femme qui puisse mériter un homme qui est dans cette objectif-là. Alors là, si je peux me permettre, au-delà de mériter, rapidement, au-delà de mériter, si tu veux que je paye, il n'y a pas de souci. Mais ne me dis pas d'aller faire la vaisselle aussi. Continue à faire un ménage. Par contre, je suis pas d'accord. Alors, attends, là, t'as le droit de ne pas être d'accord. Ce que je dis, c'est que si tu veux que je sois à l'ancienne dans la méthode de faire, je paye le resto, je fais le machin et tout, je suis d'accord avec vous. Moi, franchement, personnellement, j'ai été élevée de comme ça, je suis pas d'accord avec lui. Excuse-moi, si tu veux... Non, mais c'est vrai, il a raison. Si c'est une meuf qui veut que le mec il la gère, voilà. S'il veut qu'il la gère, il y a des contreparties. Ah, c'est bon, mais là, je suis de ce côté-là, je suis d'accord. Par contre, de dire que c'est constamment l'homme qui paye. Moi, j'ai pas dit constamment. Non, ça, par contre, je ne suis pas d'accord parce que. Non, mais rajoute des mots, j'ai jamais indiqué constamment. Donc, laisse-moi te dire, c'est qu'aujourd'hui, en 2017. C'est pour ça que je te dis, aujourd'hui, en 2017, excuse-moi. Moi, si je dois inviter un mec, j'invite un. C'est bon, il faut arrêter. Au bout d'un moment, on n'est plus dans les années. Oui, mais. Si je dois l'inviter. Histoire de payer le loyer, chez moi, ça ne se passe pas comme ça. Alors, je sais que ça se passe comme ça dans beaucoup de pays d'Afrique où j'en sais rien, mais chez moi, ça ne se passe pas comme ça. Chez moi, c'est. On gère. Celui qui a, il paye. Celui qui n'a pas, il ne paye pas. On s'arrange ensemble. Il n'y a pas de. Ah, c'est pas comme ça. Ouais, c'est gars, c'est l'homme qui paye tout. Ouais, mais c'est culturel. Parce que moi, perso, dans mon pays, ça ne se passe pas comme ça. Mais en fait, c'est eux qui ont habitué la femme à ce que l'homme paye tout. Mais normalement, moi, l'éducation française que j'ai eue, c'est l'homme va chercher son gagne-pain, la femme va gagner son gagne-pain. À la fin du mois, ils posent tout sur la table, ils disent, moi j'ai gagné ça, donc tu fais quoi? Voilà. Mais au Sénégal, je te promets, les filles, c'est l'homme qui me paye tout, c'est l'homme qui... Non, c'est pas comme ça en fait. On est en 2017, à un moment donné, il faut changer de mentalité en fait. Donc, en gros, ça reprend ce que je disais, il faut arrêter de vouloir les avantages du passé et les avantages du présent. Ouais. Faut être, je reçois l'image que je suis. Non, mais quand tu dis les avantages du passé et les avantages du présent. Les avantages du passé, c'est un homme qui réfléchit à dire, ouais, non, mais je suis le bonhomme, je vais chercher les jetons pour payer le loyer et tes besoins et je te les donne. Ah, après ça, c'est pas différent. Ça, c'est les avantages. Si c'est l'homme qui te dit, oui, mais moi, qu'ils disent je suis capable de ces gars-là, eh bien, il fait pas la vaisselle, etc. et tout le reste. Je suis désolée. Bah, je suis désolée qu'il y a une femme à la maison. Mais non, mais quand je. Juste, je vais donner mon point de vue vis-à-vis de ça. T'es une femme à la maison. Mais c'est le plus dur travail. Alors, bonjour. C'est le plus dur, c'est le. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Monsieur Silas Lehmann, je suis en train de voir votre émission qui est vraiment riche. Sur la femme. Ouais, je reconnais ça. Il avait commenté à moi. Pour la liberté des femmes et tout. Ouais. Mais il y a certaines choses que vous venez d'aborder que je ne comprends pas sur les dépenses, surtout en disant que c'est l'homme qui doit tout faire. Alors attention, Souleymane, attention, ici personne n'a mentionné à aucun moment que l'homme devait tout payer, d'accord? Au contraire, Sonia disait que chez elle, ça se passait 50-50. Mia Moda, elle expliquait qu'elle avait une éducation occidentale où c'était du 50-50.
Logan, elle, je pense qu'elle ne s'est pas totalement exprimée à l'intérieur sur le sujet. En tout cas, moi, je suis d'avis qu'en fait, si la femme a de l'argent, si elle a envie de contribuer au développement de son propre foyer, le choix lui revient. Ce n'est en aucun cas un devoir. Et je tiens à souligner que Yannick expliquait qu'en fait, je suis le bonhomme, je vais travailler, je ramène de l'argent pour payer tes besoins plus les besoins du foyer. Mmh. En aucun cas, si j'ai envie de faire la vaisselle, je la fais pas. Après, ça, c'est à négocier. Mais cela ne veut pas dire... Attends, c'est à négocier. Je précise, c'est à négocier. Mais attention, je ne défends en aucun cas les femmes parce que je trouve pas ça normal que le bonhomme va travailler plus de 10 heures, plus de 15 heures à l'extérieur et venir à la maison, ne pas trouver le repas, ne pas trouver l'accueil qu'il mérite, ne pas trouver un plat potable. Les filles, on se canalise. Un plat potable à la maison, et voilà, et tout ce qui va avec. Je suis désolée, ton homme se met au max pour toi à l'extérieur, mets-toi au max pour lui dans le foyer. Et comme ça, chacun aura terrain d'entente et chacun aura son bénéfice. Et du coup, là, on trouvera de quoi machin. Ça, c'est la perception, je pense, de tout le monde ici, sauf Logan qui a l'air d'être en contradiction. On va écouter sa voix. Moi, en fait, je suis pas du tout. Ah, bah, écoute. Moi, je suis pas du tout d'accord. Bon, après, j'allais dire l'exemple de mes parents. Bon, ma mère travaillait, mais bon, voilà, c'est mon père qui payait tout, qui payait le loyer, etc. Et puis ma mère, elle payait genre les courses, la maternelle, les factures, etc. Moi, personnellement, je suis pas du tout d'accord parce que c'est vrai que l'homme doit être, bon, par rapport à ce concept-là, être un soutien, financier, voilà, si c'est dans ce contexte-là, oui. Mais moi, je suis désolée, comme je l'ai dit avant de travailler, pendant très longtemps, j'étais à la maison, et malgré que, c'est lui qui payait tout, il m'aidait quand même, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas, il me disait, et pourtant, c'est quand même un malien, c'est pas un entier comme moi qui a la mentalité d'ici. Donc, non, c'est un malien, et pourtant, il m'aidait à faire la vaisselle, les biberons, il se levait la nuit, enfin, il faisait tout, en fait. J'avais même pas besoin de lui dire. On s'entraidait, en fait, tu vois ce que je veux dire? C'était quand même un partage. Oui, voilà, je disais que, pourtant, voilà, c'est lui qui payait tout. Le loyer, enfin, moi après, moi je payais le reste hein, parce que je travaillais pas, donc les courses, bon, pas qu'il paye aussi les courses, mais mais attends, mais franchement, excuse-moi, non, juste une chose, parce que moi j'étais pareil à un moment donné, je travaillais pas et tout, à un moment donné, je travaillais pas et tout, quand j'étais, j'ai eu le petit dernier, donc j'ai eu les deux en bas âge, mais personnellement, c'était, enfin, si je rentre. Et s'il rentre et que la vaisselle n'est pas faite, qu'il n'y a pas à manger, enfin, il y a un moment donné. Non, mais moi, j'ai pas dit. Non, mais je veux dire, j'ai pas dit que je cuisinais pas ou que je faisais pas la vaisselle, hein. C'est pas ce que j'ai dit. D'accord. C'est pas ça. Non. Mais c'est que si, par exemple, je suis pas là et que la vaisselle, elle est là, il va pas dire, oh, ben voilà, c'est ton rôle de femme, ben je l'ai laissé là. Imagine, je pars un week-end, il fait comment? Okay. Tu vois, c'est dans ce genre-là. Mais ce que je veux dire par là, et je vais, ça peut peut-être choquer, mais même quand je travaillais, ben, c'est quand même lui qui payait le loyer. Mais ça, après, voilà. Ça, c'est après, moi, c'est pas une question que j'ai imposée. C'est quelque chose qu'il a instauré dès le départ. Ouais. C'est quelque chose qu'il a instauré dès le départ en disant que voilà, ben, lui, il se fait tout payer comme ça. Après, le truc, c'est que moi, je connais pas d'autres exemples. C'est quelque chose que c'est la seule chose que je connais pour le moment. Et après, ça ne veut pas dire pour autant que si jamais il a besoin, je ne vais pas lui donner. Il faut quand même aussi être un soutien pour son mari. Il faut quand même, si jamais ton homme, à un moment donné, il est au chômage. Donc, parce qu'il est au chômage, tu ne vas pas l'aider, tu ne vas pas reprendre le relais, tu ne vas pas l'assister, tu ne vas pas lui donner même de l'argent pour ses dépenses, etc. Non, moi, ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste que ce n'est pas parce que l'homme est un soutien financier et que la femme est à la maison que l'homme ne doit pas l'aider. Moi, oui, j'étais une femme à la maison, mais moi, je ne m'en sortais pas. Surtout des jumeaux, deux bébés en même temps. Non, il m'aidait, il faisait le relais, il prenait un biberon pour Tic, moi, je prenais le biberon pour Tac. Et il y a la grande quand j'irais, il faisait le ménage, il savait que je suis enlevée. Je suis d'accord avec voilà. Mais le fait de dire que parce qu'il a l'argent, eh bien, c'est la femme qui fait tout le reste. Mais il ne faut pas oublier qu'être maman, c'est le métier le plus difficile au monde. C'est un métier à temps plein et c'est un métier à vie.
Donc ça pompe vraiment le sang. Donc ouais, il faut souligner un truc à souligner, être maman à plein temps à la maison, c'est un métier qui est universel et qui est gratuit. Tu n'es même pas payé pour ça. C'est plein de trucs différents. Tu voilà. En 2017. Mais attention, ça c'est un truc qui doit être d'un commun accord. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Oui, exactement. C'est propre à chacun et dans son couple. Et chacun décide comment il trouve son organisation. Si c'est monsieur qui est. Et madame, elle est d'accord pour que monsieur paye, ben ça se passe comme ça si c'est madame qui doit payer. Enfin, j'ai envie de dire ça chez chacun, l'entente oui, dans son couple. C'est chacun qui gère. Mais en aucun cas, ça doit être une obligation pour un homme de dire que parce que c'est mon homme, c'est moi qui vais payer. On n'est pas en 1900, je sais pas combien. Ça va. Nous sommes en 2017. Voilà. Ce qui veut dire que tes enfants, tu les as pas toute la journée de chez toi. Ton ménage, tu le fais pas en mode, c'est pas 24 heures. Quand il va bosser, il te dit amène l'argent, je vois pas comment tu peux dire non, c'est pas parce que tu gagnes l'argent, machin. Alors que en 2017, t'as pas à gérer tes enfants, soit à l'école ou à la crèche, et ton ménage c'est 2 heures. Pas forcément. 2 heures, ça moi personnellement, quand j'étais à la maison, mes enfants ils étaient pas. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas à la crèche. Tu as choisi. Non, ouais, pas moi je n'ai pas de pas crèche. Pas de place à crèche. Donc, moi, bien sûr, au bout d'un moment. Non, moi c'était un choix. Moi c'était un choix, c'est que je voulais pas qu'ils soient à la crèche. Non, moi. Moi, on m'a pas donné de place. Donc, à un moment donné, je me suis arrêtée. Moi, je voulais profiter d'eux et tout, et je voulais pas de crèche. T'as choisi. Donc, j'ai choisi. Ok. Ouais. Donc, si je suis un homme et que j'ai été travailler, je vois pas pourquoi je vais trouver de la vaisselle, en fait. D'accord. Donc, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que le soir, voilà, le mari, le mari, il est en train de manger, d'accord. Moi, je lui sers à manger. L'assiette est sur la table. Ouais. Il va pas se lever pour nettoyer l'assiette, il va me la redonner pour que je la lave. Si pendant 2 jours je ne suis pas là. Pourquoi tu serais pas là? Non, mais on sait jamais. Non, parce que Yannick, il faut. Non, parce que j'essaie de te décrypter ce que Yannick pense, tu vois. Yannick, en gros, ce qu'il vient te dire, c'est pourquoi tu serais pas là en tant que femme quand lui, il a pas décidé que toi, tu serais pas là. Non, je t'ai dit ça. Je dis pourquoi tu serais pas là. C'est un exemple, moi, je sais pas. Moi, de toute façon, j'ai. C'est voilà. Décidé de partir. J'ai toujours été là. J'ai décidé de partir où? J'ai toujours. Non, j'ai toujours été là. De toute façon, en 10 ans, j'ai toujours été là. La question ne se pose pas. Mais si, par exemple, je ne suis pas là, ou pendant. Je sais pas, moi, pendant une journée, je ne suis pas là, j'ai décidé, par exemple, de sortir avec mes amis, par exemple, ou un week-end, je ne sais pas, je vais quelque part en week-end. Ça veut dire que. Il va laisser, tu vas laisser la vaisselle là. Puisque tu travailles pour lequel, financer ton week-end. Mais attends, nuance. Yannick, là ça veut dire en fait, si ta femme part 2 semaines en week-end ou en vacances ou en congé, voir ta maman par exemple à Abidjan, tu laisses la vaisselle pendant 2 semaines à la maison, toi. Non, c'est pas ça. En fait, tu sais pourquoi je te dis ça, Yannick? Non, mais je veux qu'il réponde à ma question, s'il te plaît. Justement, ça, c'est très bien ce que tu dis et je vais dire. Pendant les 2 semaines, tu fais pas la vaisselle, tu manges pas. Ma maman, c'est pas ma femme. Non, mais elle est partie voir ta maman. Non, mais on veut connaître ta réponse. On veut savoir. Elle est partie développer sa connaissance avec ta famille. À Abidjan, c'est un exemple que je suis en train de donner. Pendant les 2 semaines. Non, mais je pense pas qu'elle serait partie sans lui. Voilà, mais c'est possible. Si je peux parler, en fait. Oui, je t'écoute. Non, mais moi, je pose ma question, en fait. C'est la raison pour laquelle je vous dis, parce que vous avez plus de liberté, vous avez des bouches qui sont en feu. Oh là là. Réellement. C'est pas possible, ça. Non, c'est exactement l'exemple-là. C'est réellement l'exemple-là, typique. Je veux répondre. Non, moi je pose la question. Pas parce que tu es une femme, pas parce que tu es indépendant, que tu vas commencer à parler bizarre. C'est ça que vous comprenez pas. Et c'est pour ça qu'effectivement. Je vais dire Joaquin Nero, mais on est en direct. Ça va très bien. Très bien se passer. Et c'est pour ça qu'effectivement, ça devient n'importe quoi. Je vous dis, grossièrement, on n'a pas changé dans nos caractères. C'est vous qui avez changé. Vous pensez que machin, vous commencez à parler. D'accord, tu peux répondre à la question si tu as. Non, mais tu vas pas partir 2 semaines ou tu vas pas partir en week-end sans que ce soit organisé. C'est pas comme ça que ça se passe. Ouais, mais c'est organisé. Bah, si c'est organisé, c'est bon, il y aura pas de soucis. Si tu pars, ça va être organisé. Mais on est organisé. Si on s'est organisé, tu peux pas. Qu'est-ce que je te dis? Ça veut dire qu'il y a une femme de ménage qui va venir faire la vaisselle. Mais regarde, l'organisation, c'est ça. Faut bien comprendre. Il ne peut pas y avoir de capitaine dans un bateau. C'est clair. D'accord. On va parler de capitaine, mais on si, dit on parle de ça. Parce que tu perds ton capitana si tu fais la vaisselle. Je perds pas mon capitana. Mais si je suis le pourvoyeur de la maison, c'est-à-dire que j'ai été bossé, je travaille énormément, l'argent rentre, tu vas pas me dire que c'est moi qui vais faire la vaisselle encore. C'est tout ce que je dis. C'est dans la fait, team pour vous. Mais c'est ça les hommes en fait. C'est ça, ils ont la mentalité. C'est moi, je vais gagner mon capitana. Je parle d'un cas précis.
Si tous les deux on travaille, si tous les deux on travaille, ouais. Bien sûr qu'on va se partager les tâches ménagères. Oui, mais si elle décide d'être femme au foyer, là je peux comprendre ton point de vue. C'est de ça que je parle. Si elle décide, genre, je suis une femme au foyer, toi tu vas gagner le pot. Mais mon frère, c'est normal que quand je vais rentrer, je vais mettre mes pieds sous la table. Moi je suis d'accord. Et je vais trouver mon plat sur le dos. Ça, je suis d'accord. Mais par contre, je suis pas d'accord quand il y a. Je dirais pas, je suis pas d'accord, mais je trouve ça compliqué. Que vous avez organisé un voyage, ta femme elle n'est pas là pendant 15 jours et que la vaisselle tu n'y touches pas pendant les 15 jours, sachant que les 15 jours de vaisselle ce sont les tiens. Donc toi tu vas vivre comme ça avec la vaisselle, ça, les larmes, tout ça. Et en fait, le truc ça me rappelle une chose. Pardon, excuse-moi, il ne faut pas qu'ils disent après on a la bouche trop. Mais il y a une qui est déjà. Vous ne les avez pas répondu. Ah, on va pas. J'ai dit qu'on se soit organisé. Est-ce que j'ai dit que j'allais pas mettre la main dans la vaisselle alors que tu es parti deux semaines? À un moment donné. Quand vous posez une question, quand vous parlez, vous écoutiez. C'est ça le truc. C'est que vous avez toujours. Oui, c'est exactement. C'est quand vous parlez la femme. Quand vous parlez toujours auparavant, rapidement, sans forcément réfléchir, bon, maintenant vous avez des responsabilités, vous voulez toujours parler rapidement sans forcément réfléchir. Je me dis, tu pars deux semaines. Oh, on est dans la réalité. Dans la réalité, bien sûr que personne ne va laisser deux semaines sa vaisselle. Okay. Bien sûr que c'est organisé pour que soit c'est moi qui l'a fait, soit c'est ma belle-mère qui vient, ma soeur qui vient, ce genre de choses. Ben justement, le truc, c'est que moi j'ai une amie, elle, quand elle part, j'appelle, je sais pas, en voyage, ou même avec chez sa mère, même pas loin, pendant 3-4 jours. Mm-hmm. Et le pire, hein, il a peut-être par exemple les enfants ou un des trois enfants, il peut y avoir des couches de caca pendant plusieurs jours. Ah, il est macho, en fait, il va pas toucher. Ou la vaisselle, ça va rester, mais jusqu'au plafond, parce que c'est un homme. Et c'est pas à lui de toucher. Après, là, c'est l'hygiène de vie, là. Non, c'est pas ça. C'est que c'est son éducation qui est comme ça pour lui. Un homme ne doit pas faire des trucs de femme, en fait. Donc, pendant 2-3 jours, il peut laisser comme ça dans la vaisselle parce que c'est pas à lui de le faire, en fait. Je ne sais réellement, c'est pas pour être hypocrite ou quoi que ce soit, je ne sais pas ce que c'est que des trucs de femme. Pour moi, si je fais la vaisselle, ça ne me rabaisse pas en tant que femme. Ça ne me rabaisse pas en tant qu'homme. Je suis très macho. J'estime qu'il y a des choses. Il y a quelqu'un qui s'est appelé qui dit sur le pendant tout à l'heure. Oui, c'est normal, t'as pas magnifié. Je suis très macho. Mais la situation que tu viens de décrire, bon, au bout du bout, c'est vous qui décidez. Hein. Mesdames. Exactement. Au bout du bout, c'est ça, vous qui raison. Décidez. Elle a trop donné cette habitude-là, justement. C'est vrai. Nous, on fait que demander. On demande à sortir avec vous. On demande à passer la soirée avec vous. On demande à avoir des relations intimes avec vous. On demande en mariage. C'est vous qui avez toujours le dernier mot. C'est vrai. Tout à fait. C'est vrai. Mais bon, c'était pour rejoindre un peu ce que tu disais, en fait. Et c'est pas tout le monde qui aurait fait comme ça. Il y en a, ils sont butés, bornés. Bah, c'est voilà. Si tu laisses ton bébé dans le caca, moi, je sais pas. Est-ce que, vrai ou faux, la société, les médias, les réseaux sociaux poussent à fond la carte de la femme libre, la femme indépendante? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Bien sûr. Parce que de plus en plus. Après, je vais vous laisser répondre, les filles, allez-y, répondre. D'accord, mais on t'écoute. Elle avait un bug. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, les femmes qui sont sur le terrain, donc des femmes entrepreneuses, des femmes influentes, sont de plus en plus sur le terrain. Donc, du coup, directement et indirectement, cela influence beaucoup. Influence beaucoup sur les autres qui regardent derrière et qui, du coup, ça les inspire. Ok. Si oui, est-ce que vous trouvez que cela a des effets positifs dans la majorité des relations de couple entre les hommes et les femmes du quotidien, c'est-à-dire nous, les anonymes? Vous en pensez quoi? Est-ce que la liberté est... Est-ce que vous trouvez que le fait que la société, les médias, les réseaux sociaux poussent à fond la carte de la femme libre, la carte de la femme indépendante, est-ce que vous trouvez que ça a des effets positifs, finalement, dans les relations de couple qu'on a à l'heure actuelle? Personnellement, ça aurait été quelques années avant, je t'aurais dit que oui. D'accord. Je t'aurais dit que oui, puisque je n'avais pas eu l'apprentissage que j'ai aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je pense que le fait de trop montrer que la femme est bien... comme tu viens de dire, elle est libre, elle est indépendante, etc. Eh bien, je trouve qu'aujourd'hui...
elle a trop envie de se mettre au même niveau que l'homme. D'accord. Même si la femme, elle est libre, etc., dans le mariage, dans le couple, l'homme, ça reste quand même le chef de famille, ça reste quand même le leader. Voilà, le pilier de la famille. Moi, j'estime que la femme, en fait, elle doit être soumise. Quand je dis soumise, c'est pas dans le sens péjoratif. C'est pas dans le sens péjoratif du terme en disant oui, t'es soumise, t'as pas à te parler, mais tu fais rien, etc. Regarde ce que t'es en train de dire. Est-ce que le mot soumission est péjoratif? Non, pas du tout. Non. En fait, ça aurait été. Tout dépend. C'est vrai que je t'ai dit que. Je regarde comme ça, tu me prêtes. Est-ce qu'il est péjoratif? Hein? Parce que j'aime pas ce terme. Oui, mais moi, j'aime pas ce terme. Pas ça. Non, tu veux pas. Tellement fatigué. Tu n'aimes pas ce terme? Non, j'aime pas ce terme. Non, mais j'ai été. Je l'ai dit. Mais après, voilà. Soumise? Non, j'aime pas. Ça me plaît pas. Pourquoi? J'aime pas. Parce que j'aime pas. Tu vois pas, tu gesticules là, ça m'énerve. En fait, moi, je vais expliquer pourquoi. Moi, pendant quelques temps, voilà, moi, on m'a pas, dans le domaine du couple, du mariage et tout, on m'a pas appris comment être une bonne femme, en fait, en gros, dans le couple. Mm-hmm. Donc, moi, je reproduisais, en fait, ce que je voyais. Ça veut dire que pour moi, je disais, oui, ben voilà, si tu as ton mot à dire, j'ai mon mot à dire. Si toi, tu fais ci, eh bien, moi, je fais ça. C'est pas ta chef de famille, c'est 50-50. Et bon, on en dirait. Non, mais tu l'as eu d'où? Moi je suis d'accord avec Liliane, par contre, j'étais pareil avant. Ça veut dire que. Oui. Mais je dirais que. Attends, juste, voilà. En fait, toujours, c'est ce que je disais. Je disais, voilà, 50-50. Pour plaisanter, je disais, ouais, si t'es chef de famille, je suis la chef de famille aussi, etc., etc. Et avec l'apprentissage, etc., je me dis que, ben non, je suis désolée. L'homme, c'est lui le chef de famille, en fait. C'est lui le noyau de la famille. Mais quand on dit le mot soumis, c'est pas dans le sens soumission, ça veut dire on doit vraiment se mettre vraiment sous les pieds de son mari, etc. Non, mais c'est tout simplement être une femme sage. C'est tout simplement ça. Être une femme sage et puis ben voilà, écouter son mari, s'il a des choses à dire, même si on n'est pas d'accord, peut-être parce que nous on a notre façon de voir les choses, mais peut-être que l'homme voit plus loin et il veut en contrepartie ben, notre bien, raison pour laquelle eh bien, peut-être il émet des refus en fait. Et le mot soumission, après si je dois aller vraiment dans la religion et aller plus loin, moi personnellement dans la Bible c'est marqué « L'homme aimez vos femmes et la femme soyez soumise à vos maris ». Donc, quelque part, dans le Coran aussi, c'est marqué « Femme, soyez soumise à vos maris ». Parce que si vraiment tu veux que ton mariage fonctionne, sois soumise à ton mari. En plus, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui le dit, c'est qu'il y a une raison. Et ça, c'est quelque chose que justement, je connais, que ça fait peut-être maintenant 2 ans que je le sais, mais c'est vrai qu'avant, je n'agissais pas comme ça. Aujourd'hui, je changerai. Comment ? C'est vrai, je t'ai dit que par rapport à moi et à ce que je lis, oui. Après, pour les autres personnes, j'estime que quand même, l'homme reste quand même le chef de la famille, quoi. Donc, voilà. Pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Mais attention, soumission ne veut pas dire que tu ne peux pas être libre et que ton mari, eh bien, si par exemple tu as un conseil à lui donner, il va pas t'écouter parce que c'est moi l'homme, je vais pas écouter ton conseil parce que tu es une femme. Est-ce que la société... Ce que je veux dire, c'est que le mot soumission pour moi, c'est un aspect trop négatif et trop péjoratif. Mm-hmm. C'est un mot que je n'aime pas. Par contre, parce que c'est péjoratif et négatif. C'est pas péjoratif. Parce que la société a dénaturalisé. Par contre, aujourd'hui, de dire que dans ton couple, tu, entre guillemets, écoutes ce que ton conjoint te dit, tu suis, entre guillemets, ses conseils et ses directions, voilà, je préfère cette manière. Soumission, pour moi, c'est trop négatif. Est-ce que c'est pas parce que la société a trop a mal utilisé, a dénaturé le mot? La soumission, c'est tout simplement être une femme sage et ne pas être une femme entêtée, en fait. Est-ce que c'est ce que la société rejette du mot soumission? Mais là, la bonne question. Est-ce que les gens n'ont pas trop accolé le mot soumission aux femmes voilées qui sont frappées? Est-ce qu'ils n'ont pas trop accolé ça? Voilà, exactement. C'est pour ça que j'ai dit que c'est pas le mot soumission au point où on se met vraiment sous les pieds de l'homme. Je disais ça dans ce sens-là. Mais vraiment le côté soumission, c'est-à-dire être une femme sage et montrer à l'homme que sa parole est importante
Et surtout, un homme, on a beau dire ce qu'on veut, un homme a besoin de se sentir écouté et entendu. Il a besoin de sentir que sa femme l'écoute, en fait. Donc voilà, c'est plus dans ce sens-là. Enfin, je sais pas, j'aimerais bien connaître la vie d'Yannick, moi. Donc, Yannick arrive. Yannick, il est bon. Tu vas faire la sortie, sa gencive. Il est bon. Sa gencive. Non, mais il y en a marre. Il a sorti la gencive. Moi, j'en ai marre. Non. Oh, bah, ça, il y en a marre. Ça, il y en a marre. Ah, c'est bon. Tiens, on a la bonne. Allez, oui. Allô. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Et qui est-ce, l'honneur? Karim. Enchanté, Karim. Comment tu vas? Métamorphose ça. C'est ça. Ça va, tu vas bien? Très, très bien. Tu nous appelles d'où déjà? De la Tunisie, c'est ça, je crois. Alors, en fait, j'attends le débat de ce soir et j'aimerais bien y participer. Alors, on t'écoute, Karim. La voix est à toi. Merci beaucoup. Alors, dire que aujourd'hui, en 2017, la femme est l'égale de l'homme. Être égal, ça veut dire quoi? C'est-à-dire être au même niveau. Ouais, être pareil. C'est ça. Mais on sait très bien qu'une femme et un homme, ce n'est pas pareil. Merci. Ce n'est pas pareil dans la façon de penser, dans la façon de réagir, dans la façon d'agir et dans la façon de voir les choses. Mais, néanmoins, depuis toujours, et depuis la création du monde, un homme a besoin d'une femme comme une femme a besoin d'un homme. Effectivement. Maintenant, le besoin, l'un envers l'autre, n'est pas forcément le même. Effectivement. Tout à l'heure, vous parlez beaucoup des besoins financiers. Mais c'est un besoin qui n'est pas forcément plus important qu'un besoin d'aide dans le maintien et la vie. D'accompagnement, bien sûr. Le besoin pour élever les enfants, comme le besoin pour avancer dans la vie, le besoin pour élaborer des projets à court, moyen ou long terme. Très bien. Ce qui veut dire que aujourd'hui, en 2017, la femme n'a pas la même vie que la femme avait il y a 30 ans dans les années 80, il y a 60 ans dans les années 50, comme avaient nos parents, et comme avaient même nos grands-parents et arrière-grands-parents, parce qu'on ne vit pas dans la même société. Effectivement. Donc aujourd'hui, en 2017, est-ce que la femme est libre? Oui, la femme est libre, parce que la femme aujourd'hui, en 2017, elle a le droit de voter. C'est moins de 100 ans qu'une femme en Europe a le droit de voter. Aujourd'hui, une femme a le droit de conduire une voiture. Ouais. Ce qui est interdit et condamnable dans certains pays. Voilà. Une femme a le droit d'avoir un compte en banque. Parce qu'il y a moins de 100 ans, en France, une femme n'a pas le droit d'avoir un compte en banque, n'a pas le droit de travailler, n'a pas le droit de conduire une voiture, n'a pas le droit de voire même de sortir toute seule. Et ceci, en fait, tout ceci a été révolu après la guerre 39-45 ici en France même. Ouais, et à savoir que c'est encore le cas dans certains pays. Voilà. En 1948, il y a eu une mutation de la société et qui s'est accélérée en 1968 par le mouvement étudiant. Mais je ne vais pas trop en parler. Non, j'ai beaucoup écouté ce que vous avez dit par rapport à l'homme qui paye, qui travaille, tout ça. Moi, je ne pense pas qu'on peut en fait quantifier ce qu'apporte l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2017, les femmes travaillent, et tant mieux. Parce qu'il faut que les femmes travaillent, parce que les femmes vont apporter à la société économique une approche, un regard qui est différent de l'homme, mais on en a besoin. Bien sûr. Mais on va parler d'un couple où les deux travaillent. Donc les deux travaillent. Je ne pense pas qu'il faut à un moment calculer financièrement, faire 50-50, moitié-moitié à 1 euro près. Je pense qu'à un moment, il faut être capable de s'entraider. Dire par exemple, moi monsieur, je paye le loyer, madame, tu payes une facture. Voilà. Moi monsieur, aujourd'hui, je paye le repas. Toi madame, tu le paieras la semaine prochaine, sans regarder réellement le montant. Ouais. Il y a un système de partage, mais il ne faut pas être sur le chiffre en lui-même. C'est plutôt la contribution qu'il faut voir. Un couple est là pour s'entraider, bien sûr. Pour se soutenir dans les bons et les mauvais et dans les mauvais pas. Mais surtout pour partager. C'est-à-dire qu'à un moment, un couple il partage beaucoup de choses. Un couple va partager les factures à la maison. Un couple va partager les tâches à la maison. Karim,
Oui. Oui, bonsoir Karim, c'est Yannick. Oui, bonsoir Yannick. Dis-moi, je me permets de te demander quel âge as-tu, s'il te plaît? Alors moi, j'ai 42 ans. 42 ans, ok. 42 ans. Allô, Karim. J'ai déjà été marié et j'ai déjà un enfant. Ok. Et je suis resté marié 14 ans avec mon épouse. Ouais. Avec mon ex-épouse. Ouais. Et c'est vrai qu'on partageait. Alors, au début, elle ne travaillait pas, moi je travaillais. Donc moi, je payais tout. Je payais toutes les factures du foyer. Mm-hmm. Elle était à la maison, mais néanmoins, ça ne m'empêchait pas, quand je rentrais du travail, des fois, de faire à manger. Bien sûr. Ça ne m'empêchait pas, après le repas, de faire la vaisselle. Parce que c'était un moment que je voulais partager avec ma femme. De l'aider, de l'épauler. Merci. Et de montrer qu'on est un couple. J'adore. J'arrive pas, comme l'homme fort, je te baigne et tu me sers. Ça s'appelle les travailleurs. Je ne suis pas trop le travail. Moi, non. Karim, si je peux me permettre d'être un peu indiscret, et tu peux répondre si tu veux ou pas, pourquoi vous êtes séparés, toi et ton ex-épouse, malgré tout ce que tu faisais? Après, t'es pas obligé de répondre, parce que c'est assez indiscret. On s'est séparés il y a 4 ans parce que j'ai un business qui est tombé à l'eau. Je me suis retrouvé sans revenu. Et madame a préféré prendre un autre homme qui a beaucoup d'argent. Donc, tu vois, c'est sa version des faits. Tu vois, en plein but. Il n'y a pas de. Je ne sais pas du tout. Après, comme dit, c'est ma version des faits, mais malgré tout, je pense que j'ai quand même commis des erreurs. Voilà. Parce que dans une séparation, dans un couple, les deux sont toujours, bien sûr. Chacun a son degré, chacun a son pourcentage de faute, qui peut être plus ou moins en fonction de l'autre. Mais, c'est elle qui a décidé de me quitter. Okay. À un moment où j'avais des problèmes financiers, des problèmes dans mon entreprise. Ok, je n'émets aucun jugement de valeur sur toi, ou sur, ni sur ton ex-épouse. Mais tu vois, en préambule, tu indiquais que l'argent ne devait pas être la priorité. Et la réalité nous montre le contraire par rapport à ton témoignage. Non, je suis d'accord. Mais justement, aujourd'hui, en 2017, un homme ou une femme peut travailler. Les deux peuvent travailler, ou un des deux peut travailler. Mais il ne faut pas voir, en fait, c'est pas parce que. Il ne faut pas voir, en fait, la situation que l'homme doit travailler pour payer les besoins du foyer et la femme doit rester à la maison pour subvenir aux besoins internes de l'homme et des enfants. Aujourd'hui, moi j'ai des amis hommes qui prennent des congés parentaux pendant 3 ans pendant que madame travaille. Voilà. Moi, je dis... Et ça, c'est très bien. Aujourd'hui, en 2017, c'est que la femme a la liberté d'aller travailler. Mais de plus en plus, les hommes déposent les enfants à la crèche, à l'école. Voilà, il amène les enfants à l'école, il s'occupe des devoirs, il s'occupe du repas de midi, il s'occupe des goûters, pendant que madame va travailler. Et ça, c'est pour moi quelque chose qui est très important parce que la femme ne doit pas être enfermée dans un rôle de mère de foyer. La problématique, s'il y a une problématique, Karim, c'est... Coucou, coach. La problématique, c'est que ce que tu indiques par rapport à l'évolution de la femme, comme quoi c'est très bien qu'elle travaille et qu'éventuellement il y a des hommes qui prennent des congés parentaux ou parentaux pour pouvoir élever leurs enfants et aider leurs femmes, je trouve ça très bien. Mm-hmm. Je n'ai pas de souci avec ça. Moi, j'essaie de juste d'être toujours connecté à la réalité. Oui. Et ce que je constate, c'est que nous ne changeons pas en tant qu'homme, mais c'est que le regard de la femme change envers nous. Quand tu perds ton job, moi j'aime bien les discours qu'on entend, oui, elle doit être là pour se venir à son besoin. Et la réalité, c'est que ça se passe pas forcément comme ça. Pour très toi, souvent. Yannick, concrètement, les hommes n'ont pas changé non plus. En fait, pardon ? Pourquoi les hommes n'ont pas changé ? Aujourd'hui, subvenir aux besoins de l'autre quand on est marié, c'est tout simplement la loi en France. Lorsque nous passons devant le maire, quelle que soit la ville de France, la commune de France, il y aura fait 3 articles de loi et le premier dit les époux s'engagent à aider, subvenir aux besoins de l'autre, même dans la maladie, même dans la souffrance, même dans la mort. C'est-à-dire qu'à un moment, subvenir aux besoins de l'autre, c'est pas que financier ou matériel,
c'est à la maison, c'est financier. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est un des deux qui travaille, un des deux qui va ramener l'argent. À un moment, c'est un des deux qui va aider à la maison, c'est un des deux qui va s'occuper des enfants. Mais en fait, il faut que dans toutes ces tâches, il faut former qu'un. Totalement. Et d'accord. Totalement. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vois, c'est-à-dire que quand tu vois un sport, il y a des règles du jeu. À un moment, quand un couple se forme, il faut qu'il y ait des règles. Les règles, c'est tu travailles, je travaille, ça va se passer comme ça. Tu travailles pas, je travaille, ça va se passer comme ça. Et à ce moment-là, le couple pourra avancer. En fait, c'est un soutien commun. En ne sortant pas les règles, en disant que je vais t'aider, tu vas m'aider ou autre, à tel moment, chacun peut faire ce qu'il veut. Totalement. Karim ? Oui. Ouais, je vais pas te couper, c'est juste qu'il y a d'autres personnes qui vont appeler. Merci en tout cas de nous avoir contacté. Karim ? C'est super. Karim ? Oui, attends. En tout cas, je tiens à préciser que j'ai beaucoup apprécié ton intervention et le message que tu as en tout cas véhiculé. Il est très fort et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui vont se reconnaître. Il y en a plein qui sont d'accord avec lui d'ailleurs. D'accord. De toute façon, on garde contact et on re plus tard, d'accord ? Et ne change pas surtout. Et merci beaucoup, Karim. Merci. Yannick n'est pas d'accord, il a la bouche en crâne. Question suivante. Moi, j'ai apprécié son discours. C'est juste que je dis, la réalité, elle montre autre chose. Mm-hmm. Très concrètement. Vous pouvez aimer. Moi aussi, j'adore. J'aimerais bien que ce soit comme ça. Parce que 14 ans, machin et tout, bon, boulot, ça joue plus. C'est 14 ans de perdu. Non, c'est pas perdu. Parce que tu as 14 ans d'expérience. Des enfants, machin. Je ne vois pas faire 14 ans. Elle a décidé de choisir autre chose. Moi, j'ai fait 11 ans avec mes parents et mes enfants. Ah ouais. 11 ans et du jour au lendemain, tout s'arrête. Non, je ne suis pas du jour au lendemain. C'est une expérience. Expérience qui, à la fin, au lieu de t'apporter du bonheur, c'est... Et peut-être que pendant les 14 ans, la personne a été heureuse, tu sais pas. Bah oui. Tout à fait. Mmh. Et que du coup, c'est un bonheur aussi de passer à autre chose des fois, bien sûr. Karine disait que la femme est l'égale de l'homme, et c'était ma question. Est-ce que pour vous, vrai ou faux, la femme est l'égale de l'homme ? C'est pas l'égale de l'homme. Moi, je dirais que non. C'est pas l'égale de l'homme. Je rejoins Karine carrément dessus. Pour toi, c'est l'égale de l'homme ? Pour moi, c'est pas l'égale de l'homme. C'est pas l'égale de l'homme. L'homme, il est toujours au-dessus. Il est toujours au-dessus, l'homme. Pourquoi ? Avant de repartir, quel est ton problème avec l'homosoumission ? C'est pas... C'est ça, c'est... Tu m'as dit que la société a trop sali le mot soumission. Je crois qu'il y a l'image de femme voilée, j'en sais rien, mais... j'ai pas parlé de femme voilée, c'est moi qui ai dit ça. Ils ont trop accolé ça à des mauvaises expériences, à des mauvaises situations. Je sais pas, l'image de cette histoire. Est-ce que tu sais que... Le moment où tu es le plus soumise à ton homme, tu sais, c'est quand le moment où tu es le plus soumise à ton homme ou pas? Très bien. Non, mais c'est pour tout le monde. C'est quand? Pour tout le monde. Qui t'a dit ça? Parce que tu fais. Oui. Non, moi j'aimerais bien savoir. Pourquoi tu dis ça? C'est quand vous avez des relations intimes, vous êtes totalement soumise. Ah non, l'homme aussi est soumis. Et à un bout d'un moment, ça va. Si. Je vais pas rentrer dans les détails, mais toi tu parles de la version où c'est lui qui est dessus, ou j'en sais rien. Tu peux être dessus, tu peux être sur le côté, tu peux être en bas. C'est le moment où tu es totalement soumis. Si tu n'arrives pas à voir ça, c'est qu'effectivement tu vas avoir un problème avec l'homosoumission. Et c'est pas un mal. Tu es totalement soumis à tes enfants. Quand ils sont bébés, tu es totalement soumis à eux. Moi, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Quand il dit que la femme, elle est soumise dans l'acte sexuel, c'est pas dans le sens où la femme, elle va jamais être entreprenante avec son mari et faire les premiers pas, etc. dans l'acte sexuel. Je pense qu'il veut dire le mot soumission dans l'acte sexuel dans le sens où, eh bien, on se met quand même à nu devant cet homme-là. Je suis satisfait au final. Et quand on se met à nu, c'est pas que notre corps, mais c'est nos sentiments, notre cœur, notre... Et quoi? Tu sais, c'est pas ça. Ce que je veux dire par là, c'est que la chanson de distance. Toi, t'es énervé. Mais attends. Mais c'est un truc pour dire que tu cherches. Le mot soumis. Tu dis des choses qui sont pas. Tu vas quoi, là? Mais non, tu viens de dire, tu le satisfais, tu le satisfais pas. Non, mais attends. Mais non, mais je suis une question. On dirait qu'il y a qu'un côté. Attends. C'est un échec. On a qu'à remettre les choses dans les cadres du carré et du rond. Les deux, s'il te plaît. Parce qu'au final, tu le satisfais. On se satisfait. Oui, là je suis d'accord. Non, je le satisfais. Ah, c'est le fait. Oui. Tu sais, un homme, dès que tu te mets nu devant lui, ça y est, il est. Je pense que moi, je dirais qu'un homme éprouve beaucoup plus de plaisir
Non. Pendant, je dis pas que les femmes, elles ont mon pas, je suis pas en train de dire ça. Mais dans un rapport sexuel, aujourd'hui, les hommes, ils ont deux fois plus que la femme. Ils ont pas plus que la femme. N'oublie pas que nous, en tant que femme, on a deux orgasmes par rapport à l'homme. Effectivement. Hein? Mais aujourd'hui, oui, dans un rapport par rapport à l'homme. Comment ça, deux orgasmes? Bref. On a en tout cas, quand tu as des rapports, tu le satisfais. Les parents sont devenus. Tu te dis donc c'est deux. Et deux, moi, c'est connerie. Mais est-ce que déjà, comment tu prends le temps de cultiver ces deux points-là? Ah, ben, prends le temps de le faire. Avant voilà. Pendant que toi, tu en fais un, tu, des fois, même presque, tu fais rien, tu fais pas de mouvement. Tu joues, tu... Mais New York. Tu fais l'étoile et lui, il a exactement le même plaisir faut pas mélanger le temps d'intimation. Pourquoi déjà la femme ferait l'étoile de mer? Pourquoi non, ne j'ai pas dit pas qu'elle doit faire l'étoile de mer. Je suis contre ce genre de... Regarde, elle est libre. Oui, mais aujourd'hui, en fait, elle est libre. Tu connais pas, là. Bah oui, mais aujourd'hui, ce que je suis en train de dire, c'est que... Je vais faire l'objet d'un autre sujet, si vous souhaitez, les filles. Évoquez vos sexualités, il n'y a pas de problème. On peut nous recentrer sur le sujet. En fait, il faut que j'explique à le gars qu'aujourd'hui, la femme, elle a certes deux points, d'accord, de plaisir, comme tu le dis si bien, c'est parfait. Mais aujourd'hui, l'homme est en mesure d'avoir beaucoup plus de plaisir s'il ne prend pas le temps d'explorer ces deux points-là. Et du coup, tu le satisfais. On peut passer à autre chose, hein? On ne savait pas, ouais. J'ai lancé une bombe comme ça, je non, mais sérieux. Non, mais tu le satisfais. Se soumettre à un homme Yannick... pendant les rapports sexuels, ça ne fait pas... Moi, pour moi, il n'y a pas d'égalité à ce moment-là. Non, mais stop, ça, je t'ai pas dit que... Tu es en train de me dire que c'était égal. Je t'ai pas dit que pendant que ma nani... Je t'ai pas dit ça. T'as dit fallait que tu utilises absolument le mot « on se satisfait ». Non, oui, on se satisfait, je suis désolée. Parce que c'est un échange mutuel. C'est un échange mutuel, effectivement. On peut pas se satisfaire tout seul. Moi, je suis d'accord avec elle. Ouais, mais moi, je suis pour que l'homme, il en reçoive plus que... Hein? Toi, t'es bon. Non, j'ai pour que l'homme reçoive plus de la carrière. Non, mais attends, on est où là? Non, là, c'est chaud ce que tu dis. Non, peut-être qu'elle a mal formulé vous ça. Vous n'avez pas compris. Passons à autre chose, on fera un autre débat sur la sexualité. Non, après. Par contre, juste, je vais finir un truc avec. À quel moment tu dis, à quel moment et pourquoi tu dis que le moment où on est plus soumis, c'est pendant l'acte sexuel? Pourquoi tu dis ça? Il s'incorpore quand même à l'intérieur de toi, c'est... Non, on fait l'amour à l'intérieur. Non, parce que lui, c'est un homme. Je veux juste... On fait l'amour à l'intérieur. Non, mais s'il vous plaît. Eux, ils font l'amour à l'extérieur. Mais il s'incorpore à l'intérieur. Vous voulez? C'est comme ça. C'est pas possible, ça. Donc c'est comme s'ils prennent une part. Mais Assa, le gars, il... D'où je suis d'accord. Reste pardon. Non, mais là, on est en train de se rejoindre. Mais attendez, il faut qu'il... Quand même, c'est un homme, je vais poser la question. Il faut qu'il explique ça. Sa version d'homme que j'aimerais comprendre. Donc tu le satisfais. Ben, ah bah si là. Il se glisse en toi, wesh. Comment ça tu le satisfais pas? Je t'écoute. Parce que c'est lui qui... Genre deux, ça déborde en tout cas. Qui prend le jeu. Moi, mon expérience, c'est moi qui mène. Pourquoi tu rigoles toi? C'est toi qui... C'est moi qui mène la danse. Ah non, là par contre je t'avais rejoint, mais là... Ça, c'est... Tu vois, ah, mais je ça, je te dis, non, mais tu vois, non. Encore une fois, est-ce que non, attends, moi, tu n'avais pas. Attends. Tu veux qu'on rentre dans cette histoire, on va rentrer dans cette histoire. C'est moi qui mène la danse. Je peux te laisser faire certaines choses, mais c'est moi qui mène la danse du début à la fin. D'accord. Toi, si tu préfères que ton homme mène la danse, ok. Si tu préfères mener la danse, pourquoi pas. Mais après, j'ai pas l'impression que tu vas trouver que ce soit cool, que ce soit toujours toi qui mène la danse en fait. Oui, c'est un échange. C'est... Non, mais c'est une question d'échange. Les deux. Je dis, au moment où on a des rapports intimes, on est généralement. Généralement nu, et là, ouais, t'es totalement soumise. Je vois pas pourquoi tu peux. C'est ça en fait, dès que t'es devant l'homme, c'est ça en fait, tu es soumise, c'est ça. Mais c'est pas. Non, je sais que tu n'aimes pas le mot soumise, mais une fois que. C'est ce que j'ai dit à la jeunesse expérience du mot soumise parce que les gens lui ont trop fait montrer des choses dégueulasses à travers le monde. Non, il y a un truc, on fait l'amour déjà à l'intérieur déjà. Eux, ils font l'amour à l'extérieur. Leur intimité est dehors. Nous, c'est à l'intérieur. Mais c'est vrai. Donc, quelque part, ils rentrent en nous. Donc, ils s'ouvrent quelque part. Ils prennent une partie de nous quelque part. Donc, quelque part, on est soumise par rapport à ça. Tu vois, je sais pas si tu as remarqué, mais l'homme,
il n'a pas besoin d'avoir des sentiments pour avoir des relations intimes. Lui, voilà. Alors que. Voilà. Tant que c'est humain, ça glisse. Non, non, mais les filles aussi, maintenant, dès que. Non, mais je dis en général. Il y a toujours des exceptions. Attendez, je parle en général. Alors que là, aujourd'hui. Comment ? Il y a des exceptions, ok ? De quoi? Non, il y a des pour pouvoir te donner à un homme. Déception. Ce que je veux dire, c'est il que. Il y en a qui veulent pas par rapport à leur image, mais une femme, et c'est là où je dis vous êtes pareil comme les hommes, vous avez le même besoin. Voilà, mais exactement, on a le même besoin. Bien sûr, le contraire. Mais comme tu dis, exception, c'est à dire que pas, il y en a quelques-unes. Non, mais toutes. Par rapport à l'homme. Tout quoi? Par rapport à l'homme, la femme, dès qu'elle a des rapports intimes, elle commence à être amoureuse, elle commence à avoir des sentiments, elle commence à être dépendante de l'homme. C'est une forme de soumission. Mais c'est pas un mal, c'est naturel, c'est humain. C'est dans ce sens-là, soumission. C'est pas soumission dans le sens où il te tabasse, il te fait faire tout ce que. Genre, on est moins dans le plaisir. Une mauvaise expérience. Vous pouvez regarder vos idées, vous pouvez dire que j'ai une idée de tabasser machin. Je sais l'idée que j'ai dans la tête, ça n'a rien à voir avec le tabasser, le machin, le truc. Et je vous le dis, je vous le redis. Elle n'aime pas le mot soumission. C'est mon choix. Je n'aime pas. On a le respect. Maintenant, de dire que dans l'intimité, ça guide nanani, nanana, oui, il a sûrement raison. Mais. Non, mais nous aussi on guide. Pour moi, ça ne peut pas dire être soumise, mais bon, bref. Bon, moi, de mon point de vue, hein, moi-même, de mon point de vue, si jamais, même si c'est moi qui domine au lit, ok, je reste dans l'idée, après, je me sors de cette idée-là pendant l'acte, je sors de cette idée-là. Pour moi, je reste quand même soumise à cet homme-là. Bah oui. Je me suis ouverte à lui, je lui ai donné une partie de moi. Il prend quelque chose qui est quand même sacré en moi. Là pour moi c'est ma perception des choses. Je suis soumise à lui parce que je lui ai attribué quelque chose de très fort en moi. Que je ne donne pas à tout le monde. Je peux rigoler avec beaucoup de monde, papoter avec beaucoup de monde. Eux ils n'auront pas ça. Mais lui il a ça. Donc je me soumets à son désir. On le fait encore plus loin. On va acheter de la lingerie, on va acheter des trucs de schneckel pour être encore plus soumise à lui. Donc comment tu peux ne pas être en phase avec ça? Je suis pas en phase, mais je respecte. Je n'aime pas la soumission, c'est tout ça. Non, mais tu n'aimes pas la soumission. J'aime pas ce mot. Tu n'aimes pas le mot. Je suis en accord avec lui, que je me canaliserai quand il me parlera, que j'écouterai ce qu'il dira. Ok, d'accord, c'est mais de dire que je suis soumise à lui, non. Parce que la société a fait un amalgame. Oh putain, j'ai trouvé un bête de. Non, ça aide. La société a fait un amalgame de fou malade sur le mot soumise. Passons à autre chose. Non, on revient au thème en fait. Quel thème? C'était pas sexuel. Hein. C'était la femme. La liberté de la femme. Alors, vous avez senti la liberté? Quand on parle de liberté, vous êtes libre. C'est-à-dire que vous êtes libre aussi. Je suis libre de mourir. Oui, d'offrir quelque chose qui est très caché, que Dieu a caché. Non, on va se calmer, c'est pas les portes ouvertes. Mais c'est vrai, il a pas tort, c'est une liberté. Dieu a caché. Dieu a caché. Non, mais attends. Dieu a caché. Attends, on va se dire les choses clairement, précisément, nettement. Les saints, par rapport au. Au Kinder Bueno, les seins sont plus apparents que le Kinder. Ouais, mais justement, pas besoin de les rendre encore plus apparents. Mais ça, c'est pas grave, c'est la liberté d'expression. Ah, d'accord, donc mais tu acceptes cette liberté, mais la liberté de là, dont on parle de Kinder. Bon, bref, allons-y. Est-ce que vous pour une femme, vous croyez que c'est la même chose qu'un homme au foyer? Une femme au foyer, c'est la même chose qu'un homme au foyer. Sinon, pourquoi? Vous avez une réponse ici ou pas? Alors moi, je pense que c'est la même chose, ok? Parce qu'au final, les rentrées d'argent et les sorties d'argent sont changées, genre on change de rôle. Mais la société a trop voulu, ou les gens ont trop voulu nous faire croire que c'est à l'homme de sortir et pas à la femme. Et donc du coup, quand on vient à choisir un mode de vie différent de la soi-disant entre guillemets normalité, et bah tout de suite on devient des personnes, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Des personnes anormales. Ouais, voilà, on a tout dit. Très bien. Sur, comme tu es un être humain, et comme vous autres, vous êtes des êtres humains, accepteriez-vous que les rôles changent dans votre couple? C'est-à-dire vous allez bosser,
Et l'homme reste au foyer. Non, non, je pourrais pas. Alors, c'est la société ou c'est vous? Non, c'est moi. Moi, c'est personnel. Non, c'est personnel, je pourrais pas. T'as dit quoi? D'accepter de quoi? Je pourrais pas, je vais dire d'accepter. Que l'homme reste au foyer, faire ce que, entre guillemets, non. Il aura perdu ce côté homme, ce côté viril, ce côté. Je pourrais plus l'idéaliser, je pourrais plus. Et s'il le fait pendant une courte période? Non. Même mini période. Même une heure de temps, je le laisse. Non. À part s'il est malade, tout ça, voilà. Mais ça sera de la pitié plutôt que ça pourrir. Ouais. C'est pas de la pitié, mais le côté excitant va partir en fait. Je pourrais pas. Sur que ce soit votre mode de vie? Non, je pourrais pas. Non, faut pas que ce soit éternel, mais par contre, si ça dure des 1 an, 2 ans, ça dépend. Faut qu'on s'arrange. Je peux tolérer, moi. Voilà, courte période, faut qu'on s'arrange. Si ça dure des 1 an, 2 ans, franchement, je peux tolérer. Puis ça dépend, il y a plein de situations qui font que ça peut arriver comme ça. Si par exemple, il arrive pas à trouver un choix. Ah, si c'est un choix, ouais, je suis. Non. Non, moi je pourrais. Non, je pourrais pas. Je sais pas, c'est un choix à cause de quoi? Parce que la crèche est trop chère, parce que je sais pas quoi, je sais pas quoi. Vous avez décidé qu'il y en a un. Non, parce qu'il est peut-être papa poule aussi. Il est peut-être papa poule et. Voilà. T'as même pas poussé, moi. Ah, mais être gentil, mais là. T'as quand même pas poussé. Qu'est-ce que vous avez? Vous êtes maintenant. Non, moi perso, je pourrais pas. Non, j'ai besoin d'un homme d'ambition. Ah, mais ça veut pas dire qu'il est à la maison qu'il est pas ambitieux. Non, moi j'ai besoin de mon homme qui va à ses vacations. Pas un homme qui reste à la maison, on dirait. Non. Nanny McPhee. Non, je pourrais pas. Non, moi j'ai besoin que mon homme il soit un dédié de moi, s'il te plaît. Imagine que cet homme-là, tu travailles, parce qu'on travaille tous aujourd'hui, on est toutes des femmes de terrain. Déjà pour toi, en termes d'orgueil, ça change rien, mais il est à la maison, il ramène autant d'argent. Que toi, je sais pas. Non, pas de la drogue, mais on a une activité qui lui permet de pouvoir travailler à nous. Ça se trouve, il est élève. Il a des Mercedes XYZ. Et là, ça, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil parce que c'est pas ton nom de famille. On va dire, il touche la cave. Il touche que la cave, c'est ça. On va arrêter les choux. Moi, je suis pas trop d'accord. C'est ça. Non, moi, je peux pas. Moi, c'est mort de chez mort. On va se calmer. Pourquoi tu poses des questions bizarres comme ça, toi? On va se calmer. Moi, je sais pas. Je suis mitigée. Quand je vous dis que cette histoire de liberté et tout, ça implique aussi que vous avez des responsabilités. Moi, je veux bien que vous soyez libre. Franchement, je trouve ça très cool. Et vous connaissez ma manière de penser par rapport à mode de vie, enfin. Oui, on a bien cerné. Totalement. Maintenant, votre gars, il dit bouf, moi, je vais rester à la maison de m'occuper des gamins et tout, vous dites non. Déjà, excuse-moi, moi, personnellement, je te dis la vérité. Le mec que je vais rencontrer, m'a jamais senti ça. Personnellement, je sais comment il est. À part les mecs que je rencontre, c'est pas des mecs qui vont rester à la maison. Attends, le mec, il n'osera même pas venir me parler pour me dire de rester à la maison pour s'occuper des enfants, c'est quoi? Si t'es amoureuse. Non, les styles de mecs qui m'attirent, c'est pas ce genre de mec. Moi, je pense que Florence, elle a dit un truc super important. Elle a dit, je pense que de plus en plus d'hommes ont envie de franchir le pas et de rester à la maison pour élever leurs enfants. Mais le regard de la société est encore sévère sur la question. Et je suis sûre que dans pas longtemps, ça va arriver. C'est pas la société, c'est les choix. Vous venez de le démontrer. Ouais, bah oui. Pourquoi vous mettez ça sur la société? Vous venez de le démontrer. C'est pas la société. Moi, je... c'est un choix, en fait. Moi, personnellement, j'accepterai jamais de voir mon homme être à la maison pendant que moi, je vais aller. Ah oui. Moi, je me lève le matin, je m'apprête et tout pour aller travailler. Lui, il est encore dans le lit en train de ronfler, la bave sur le côté. Non. Vu que c'est un homme à. Il fait la vaisselle, il remet les enfants à l'école. Pendant que toi, tu vas à un truc, lui, il va déposer les enfants. Il va vouloir préparer le. Bah, franchement, le ménage. On laisse les raisons ensemble. Moi, je suis pas fermée à l'idée. Non, je pourrais pas. Non, je suis pas fermée. Franchement, moi, je suis plus une femme. Tu vas. Non, mais non, mais la raison, c'est. Quoi? Il y a le canapé qui est là, il faut qu'il s'allonge. Je suis pas fermée à l'idée. Non, sérieux, moi je pourrais pas supporter de voir mon homme être homme au foyer. Moi je peux pas. Je le regard qui va changer, je pourrais plus le. J'allais dire un mot, c'est un peu dur, mais c'est pas, je pourrais plus le respecter. Hein, mais. Non, mais imagine ça va changer. Tout ce bonheur dont t'as besoin. Non, quel bonheur. Je peux pas. Non, mais elle a trop vu Peter Pan. Encore une fois, elle a dit. On a bien dit du mal. Si c'est une question de choix, ça ne va pas. Par contre, si c'est une question. Non, je parle de choix. Je parle vraiment de choix. Bah, c'est un choix, il a perdu son travail. Non, parce qu'il a. C'est ça que je t'ai dit. S'il a perdu son travail, je parle pas de ça. C'est différent à ça. Par contre, si c'est une question de choix, il n'y aura pas de choix qui sera. C'est-à-dire que. C'est quelque chose qu'il a décidé. Non, moi, je te donne même pas l'heure. Ah ouais.
Est-ce que c'est le contraire? Donc ça veut dire c'est l'homme de ta vie, machin et tout, il dit ouais, non, finalement, pas ah, non, je veux pas être une manie. Non, mais en fait, vous savez quoi? Moi, je suis sûre que vous parlez comme ça parce que vous n'avez pas demandé le fait accompli, mais le jour où ça viendra, vous aurez une autre perception. Donc vous allez le quitter. Ça peut pas être parce qu'il a décidé d'être homme foyer et de baisser. Moi je te dis que les genres d'hommes par lesquels je suis attiré ne me sortira jamais ça. Moi je ne sais pas, c'est le genre de gens que je côtoie, il ne sortira jamais ça. Mais jamais de la live. Au contraire, c'est toi, reste, repose-toi. Moi je vais charbonner. Les internautes. Les internautes appelez le 09 70 40 55 20 non, si vous acceptez que votre homme 70 reste 40 55 20 si vous voulez donner votre avis. Laisse ça, allez sur le pays des merdes. Est-ce qu'en 2017, vous, mesdames, vous pouvez vous permettre de vous dire ok, moi je vais être femme au foyer et toi tu vas avancer? Non. Tu vas faire avancer la société? Tu vas faire avancer ta vie? Arrêtez, c'est ta vie ou c'est la vie de... Mais attends. Moi personnellement, c'est... Aujourd'hui, c'est différent. Il y a parce que dans le sens où... sont dans cette situation. Non, mais c'est pourquoi je te dis, il y en a qui le subissent et c'est pas un choix. Moi, je te dis, moi personnellement, après la naissance de mon deuxième, je suis restée un an à la maison parce que j'ai pas eu de place en crèche et donc j'ai pas eu le choix. Non, je parle pas de quand. Mais il y a des gens, c'est des choix. C'est la même chose. Là, c'est des choix, il y en a, ils ont décidé. Après, faut commencer à calculer. Excuse-moi, pour moi, c'est une question de calcul. Moi, je te dis là totalement. Pour moi, tout est une question de calcul. Ça veut dire qu'il faut commencer à calculer. Ton mec, il gagne 4 000 € par mois. Toi, tu gagnes 1 200 €. Au final, tu vas aller déposer les enfants à la crèche pour aller payer 1 000 € de crèche. Ça sert à quoi? Reste à la maison. C'est mieux que je t'occupe des enfants. Voilà. C'est un choix, du coup. Ben ouais. Après, tu peux faire des activités à côté. Rester à la maison ne veut pas dire rester vacante, pas tu te laves, tu te la bouche sale. Donc, pourquoi l'homme ne fait pas la même chose? Après, il peut faire la même chose, mais avec une autre femme. Ah, c'est qu'est-ce que je veux dire? Aujourd'hui, il se met devant toi et te dit ah ça moi je vais faire ça, tu as un charbonné ou aller non, à ça réfléchir. Ah ça, c'est un état d'esprit ça. Faut juste me donner un exemple. Les personnes qui sont en train de nous suivre actuellement en direct, faut vous juste le seul homme qui va vouloir se poser à la maison, faut nous dire et passer le repassage, faire les toilettes, la bouffe. Mais imagine qui kiffe ça. Mais il va kiffer quoi? Il va kiffer avec quelqu'un d'autre. Non, mais en fait, tu ne poseras pas des questions. Avec quelqu'un d'autre. Non, en fait, tu ne poseras pas des questions pour ton homme. Il te dit, je kiffe faire la vaisselle et rester à la maison. Maintenant, tu vas t'abonner. Ouais, c'est ça. Arrête, s'il te plaît. On est pas en 2019. Donc, alors. Même si tu as des garçons, excuse-moi ça, tu as des enfants, des garçons. L'image de leur père, c'est de rester à la maison. Attends. Excuse-moi. Mais moi, personnellement, je peux être libre. Mais c'est pas libre. Moi je donne juste un exemple. Attends, il va aller tablier, il va devant la cuisine. C'est quoi? C'est trop mignon, bébé, viens, fais-moi des pâtes. Elle a trop vu des feuilles. Quand tu vas voir un garçon, il va commencer à prendre le tablier, mettre des talons ou des. Tu vois, c'est gros pour le gros père. Comment tu vas pas l'envoyer à la mosquée directement? Non, c'est mort. J'allais trop marre de vous. Attends, t'imagines un garçon, un vrai garçon, un homme, les 9 mois de quelqu'un, la femme met des aiguilles comme ça avec la les tabliers. Mais mec, c'est avec ton mal, vous sortez en arrête ça, il était là, il te passe le nom. Non, un homme, c'est un juste milieu, quoi. Enfin, voilà. Non, il n'y a pas de juste milieu, c'est soit un homme, soit un homme. Même dans l'islam, ça a été pareil là-bas. Même dans la religion, c'est une question de taper, de taper. Tu m'as dit, Sonia l'a dit, c'est une histoire de taper, de rire. Ah, on ne peut plus faire de cela qu'à développer. Mais c'est vrai. Non, mais sérieusement, Yannick, t'as dit quoi? C'est chaud? Non, mais attends, moi je veux connaître son avis, moi. Juste regarde, imagine-toi, c'est. Non, mais Yannick, c'est pas son genre. Imagine-toi. Il nous a trop fait savoir que c'était le genre de mec, vas-y. Lui, c'est la macho, donc c'est pas la peine. Hein. Mais juste, mets-toi cette image devant toi. Imagine-toi, au mon foyer. Ton fils, il va devoir comme je te jure. Il va aller à l'école. On va lui dire, ton père, il fait pas.
Et il passe les repasser. Non. Et puis. Il est père au foyer. Quel père au foyer? Le fils, il est père au foyer. Tu ne pas trouver ce terme-là en disant père au foyer. Mais ses potes, ils vont le dire. Moi, en tant que femme, j'ai honte. Moi, je vais remplir de fiches. Profession du père. Dans mon foyer. Laisse, imagine, cette liste-là. Je remplis même pas. Je laisse la case vide. On pose les enfants, ils me demandent que tu dois remplir. Je remplis pas, chérie. Laisse comme ça. Voilà. C'est la merde facile. Sans emploi. Non, c'est mieux. Même Pôle emploi, il ne voudrait pas dire. Attends, c'est chaos. Non. Non, mais c'est chaos. Sérieux, t'imagines ton homme? Bon, il vient quand même. Il vient de faire. Non, mais. Sur cette note, d'ailleurs, on a plein de questions. Non, mais. Non, ça se l'air. Trois meilleurs. Avez-vous le pouvoir d'écrire votre propre histoire? En ce moment, on fait quoi? Je sais pas. Dans notre. Pourquoi tu l'agresses pas de fou? Mais non! Il a juste posé une question. Elles sont toutes douces en plus. Franchement, après les histoires. Pour une question. Il y a quelqu'un qui a pas de. Bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Ça va? Oui, ça va. À qui est-ce le nec? Pardon? À qui est-ce le nec? C'est Florence. Ah, bonsoir Florence. Florence, comment tu vas? Je vais très bien, merci. Je sais que tu nous appelles de loin, c'est où déjà? Moi j'habite près de Tours. Ouais, c'est ça, je m'en souviens. Tu te souviens de Florence? Ok, Florence, on t'écoute. Donne-nous ton avis à ce sujet. Oui, alors donc je voulais dire que je n'étais pas tout à fait d'accord. Un homme peut aussi rester à la maison. Merci! S'occuper du foyer, etc. Alors moi j'ai un exemple. Oui, Florence, on t'écoute. Prends ça pour nous envoyer mon message. Oui, c'est un tout petit décalage. Donc, voilà, ce que je voulais dire, c'est que j'ai un exemple. Moi, je vais parler de mon père. Ma mère travaillait pendant plusieurs années. Mon père aussi travaillait. Ma mère travaillait le jour, mon père travaillait la nuit. Et au petit matin, il s'occupait des enfants, c'est-à-dire moi et ma sœur. Donc jusqu'à, on va dire, notre adolescence, jusqu'à à peu près aller 12 ans, jusqu'à mes 12 ans, on va dire, à peu près, jusqu'à mes 12 ans. D'accord. Et ensuite, on a eu un petit frère. Mon père travaillait encore un petit peu. Et ensuite, il a eu sa retraite, c'est-à-dire qu'en fait, il a eu sa retraite. Mais il s'est occupé de toutes les tâches ménagères, ainsi que d'élever mon frère et continuer à s'occuper de moi et ma soeur qui étions les plus âgés en fait, qui étions en internat, etc. Et il s'occupait de tout, la vaisselle, le ménage, les papiers, enfin tout ce que aussi une femme pourrait faire, quoi. Et il devait assurer ça pour le bon fonctionnement de la famille. Voilà. Alors juste Florence, j'ai peut-être loupé un passage, mais. C'était un choix délibéré ou c'était une contrainte que ton papa a été obligé de faire ça? En fait, mon père était en retraite. Donc après, quand il s'est mis à. Au début, je pense. Enfin, après, c'est aussi une question d'éducation, je pense. Mon père, il s'est toujours dit. Enfin, comme je le connais quand même, il s'est toujours dit qu'il fallait que. Il soutienne ma mère et ma mère aussi, je pense qu'elle soutienne mon père. Alors Florence, je ne te coupe pas. En fait, le cas dont on parlait, nous, c'est parce que visiblement, c'est un autre cas, ton papa, il était en retraite. Donc, j'ai envie de te dire qu'il avait déjà bossé un très grand nombre d'années et il peut se reposer et en même temps faire ce genre de tâches, entre guillemets. Je ne trouve pas que ce soit des tâches ingrates. Maintenant, si c'était ton mari qui te disait OK, ou ton homme, tout simplement, qui te dit OK, on bosse tous les deux. On gagne assez d'argent avec un seul salaire. Moi, je vais me mettre au foyer, je vais m'occuper des enfants, je vais faire le ménage, je vais faire la vaisselle et tout ça. Mais toi, tu continues à aller au boulot. Est-ce que tu le verrais de la même manière sur le long terme? Eh bien, moi, je pense vraiment. Que, en tout cas, c'est pas impossible. C'est-à-dire que je sais que mon conjoint, il a envie de. Bah, je pense que si on a des enfants à jouer ensemble. Être proche de ses enfants et d'avoir la possibilité de les élever un petit peu, si je me trompe. Donc il est à côté. Donc en fait, en tout cas, moi je ne le verrai pas. Après, c'est pareil. Je pense que c'est par rapport à l'exemple que j'ai eu. Moi, j'ai pas la vision que j'ai eue par rapport à la vision de mon père.
c'est un homme courageux, quelqu'un de courageux qui est capable de s'adapter en toute situation. Et j'ai jamais vu quelqu'un, en tout cas, j'ai jamais vu le revers de ma mère en voyant comme si mon père était devenu, qu'elle pouvait pas regarder, que c'était plus un homme. Elle n'a pas perdu sa virilité, en fait. Ce que tu as décrit de, ton papa, moi, je le vois pas non plus comme comme une perte de virilité, puisqu'il était en retraite. En fait, il avait déjà travaillé, c'est ça le truc. Nous, on parle de, éventuellement, nous qui sommes. Après, c'est vrai que je ne devrais pas parler pour mon frère, mais j'ai mon frère, lui, par contre, il a pas. Du coup, il était tout petit quand mon père travaillait encore, et il a vu surtout la partie, j'allais dire, la retraite de mon père. Mon père ne travaillait plus. Et que lui, en tout cas, je crois, on en parle souvent, mais on a des bonnes communications, on a des bons contacts. Bonne soirée, Florence. Je l'adore. Gisèle, est-ce que vous aviez le pouvoir de changer votre histoire? Bien sûr, parce qu'on est des... Décrire votre histoire, pardon. Décrire votre propre histoire. Mais le chroniqueur... Non, c'est là, il y a un peu de direct, là. YouTube qui revient. Ah, ok, d'accord. Et je l'oublie toujours. Non, j'oublie toujours, je vais manger des Kinder. Non, mais c'est pas grave, vous pouvez... Ouais, ça va, non. Mais pas à la télé, c'est vraiment... Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on est acteur de notre vie. Donc ouais, quand on est acteur, on peut tout mettre en place, on peut tout retirer, on peut tout recommencer à notre aise. Quelqu'un est content de se rendre... poser la question, mon esprit était un peu ailleurs. Visiblement, les Kinder. Voilà. N'est-ce pas la société qui a conçu vos rêves et vos objectifs avec la complicité, entre guillemets, de vos parents? Non. Pour moi, non. Pourquoi non? Pour moi, non. Pourquoi je serais forcément influencée... de par la société ou mes parents? D'où par ton éducation, d'où par ton environnement, d'où par ce que tu vois, ton style de vie, ta mode, ta coiffure? Non, du tout. Non? Non, du tout. Ce que je suis aujourd'hui, c'est le contraire de ce que mes parents voulaient. Donc, c'est exactement le contraire. Mais est-ce que c'est pas ce que la société veut? Que tu sois femme indépendante, libre, inspirante, coach, et tout ça, c'est pas ce que la société veut? Auparavant, notre désir en tant que... C'est peut-être ce que la société veut, mais c'est ce que je veux. C'est ce que je souhaite aujourd'hui, on va dire, depuis quelques années aussi. Donc ça relève quand même d'une envie pour moi aussi. J'ai pas été influencée par rapport à la société. C'est parce que c'est ce que j'aime faire, en fait. Tout simplement. Après, il y a être libre et indépendante dans plusieurs choses, dans divers domaines aussi. Je sais pas, c'est un peu vaste. La société dans laquelle nous vivons veut que chacun de nous soyons des travailleurs et des consommateurs, uniquement. Ce qui met en péril complètement le modèle familial qu'on a de nos parents, de nos arrière-grands-parents. On peut associer. Ce qui fait que, ce qui fait que quand on a éventuellement des soucis avec notre conjoint ou même nos enfants, n'hésite pas à s'éloigner très rapidement. Et ne pas. S'éloigner de quoi? Avec notre conjoint, se séparer tout bêtement. Je ne parle pas de vos situations personnelles. Bien sûr. Je ne sais pas si vous êtes un couple ou pas. Je parle en général. Le fait qu'on constate un taux de divorce qui est beaucoup plus important et le fait que
des applications de rencontre, adopte un mec, un machin fonctionne super bien. Déjà maintenant aujourd'hui les gens ils divorcent pour un oui et pour un non, même pour quelqu'un qui ronfle la personne va divorcer. Après maintenant concernant il y a les sites de rencontre, pourquoi? Parce que les gens ont moins le temps de faire des connaissances, les gens ont moins le temps de rencontrer quelqu'un. Il y a la plupart des personnes, il y en a qui finissent tard, il y en a que voilà ils ont plus peut-être la même patience. Enfin, il y en a qui finissent tard par leur travail, qui n'ont plus le temps de rencontrer quelqu'un, ou il y en a, ils ont sont en difficulté, il y en a, ils ont, comment dirais-je, ils sont timides aussi pour, pour aborder, un homme ou une femme, et peut-être que bien dans un premier temps, eh bien, ils sont peut-être beaucoup plus à l'aise, derrière un ordinateur pour essayer de créer un contact, une certaine communication, et peut-être que après plusieurs semaines, ça dépend. Ça reste pas longtemps en fait, c'est ce que j'ai. C'est pas le problème de l'endroit où tu rencontres, moi j'ai rien contre ça, je dis juste que la société dans laquelle on vit, quand vous me dites que non, je vais écrire ma propre histoire, et ce n'est pas la société qui a conçu mes rêves, mes objectifs, je pense que la réalité c'est que si. Mais j'aimerais que tu développes en fait. Bah, par le fait qu'on n'arrête pas de se séparer et tout, c'est qu'on consomme, on rentre dans des relations, on s'en va très rapidement. Alors que, grosso modo, le but c'est même plus de construire une famille, c'est d'être avec une personne, faire ses enfants, et si ça se passe pas terrible, bon, on se sépare. D'accord. Et tu penses qu'en fait, nous, on est influencé dans ce domaine-là par rapport à la société? Totalement. Je m'inclus aussi. Je ne dis pas que ce sont les femmes. Oui, je m'inclus aussi. On est totalement dans ça. Non, après, je ne sais pas. J'avais pas réfléchi à la question. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais on s'est arrêté. Qu'est-ce qu'on pense? On dirait un mec qui vient de péter sur une élève. Avez-vous une définition personnelle du bonheur? Non, mais après, je suis en train de lire un avis super intéressant. Oui, ton avis par rapport à ça, c'est. Ah, c'est ça? Ouais. C'est quoi? Mais c'est pas. Ah, pardon. Ok, d'accord. Ouais, ton. Ok, d'accord. Non, mais si, j'ai entendu. C'était quoi l'avis de la personne? La personne disait à Logan, mais Logan, tu ne quittes pas ton homme qui te trompe, mais. Attends, mais Logan, tu ne quitteras pas ton homme qui te trompe, mais tu ne respecterais plus ton homme qui décide de rester chez toi pour s'occuper des enfants. C'est ça qui m'a perturbé. J'ai pas dit le mot respect, hein, c'est. Je sais pas, mais ça m'a perturbé. J'ai pas entendu la fin. Tu ne respecterais plus ton homme qui reste à la maison pour s'occuper des enfants. Et dans ma tête, j'imaginais la scène en fait. Ça fait comment? Cette personne l'a suivi dans tous les cas des trucs, puisque c'était auparavant dans les autres. Où tu disais que tu tromperais, tu quitterais pas un homme qui te trompe. Mais j'avoue que ça a créé un grand décalage, même moi, dans mon cerveau. J'aimerais bien des explications. Sauf que. Donc toi, tu quitter un homme parce qu'il t'a trompé. Oui, oui. Mais tu vas être encore avec un homme qui va aller encore te tromper. En fait, c'est exactement ça. Donc ça sert à quitter un homme. Je l'ai dit plusieurs fois en fait. Je l'ai dit plusieurs fois. Et Taïane, je reviens sur ce que tu viens de dire. Oui, je ne quitterai pas un homme s'il me trompe. Il y a tromper et tromper. Un homme, s'il trompe, je vais essayer de faire un travail sur moi pour savoir si je n'avais pas des choses qui l'ont poussé. Est-ce que mon comportement ne l'a pas, poussé à cette fameuse tromperie? Après, il y a tromper. Non, mais c'est Sonia. Moi, j'ai rien dit. Tu diras que. Oui, mais bon, c'est la vie, ça. Non, c'est pas la vie, c'est Dylan. Ah non, t'es nerveuse, tu vois, là. Ah non, je suis pas là. Mais ce que je veux dire, mais je suis d'accord avec toi. Non, mais moi, ce que je veux dire, ça aurait été avant. Ça aurait été avant. Franchement, attends, une seconde, juste une chose. Taïane, ça aurait été avant. La personne, elle me trompe, je l'aurais quittée. Ça m'est déjà arrivé, je l'ai déjà fait. Mais maintenant, quand tu as dit. Je ne dis pas qu'on reste pour les enfants, attention. Mais quand, eh bien, tu as des enfants, tu as bâti quelque chose avec cette personne-là. Quand je dis bâtir, c'est pas que les enfants, hein, mais vous avez quand même bâti aussi un amour. Un amour, des fois, il monte, il descend. De
par rapport à lui et par rapport à moi également. Mais comme j'ai dit tout la dernière fois, la tromperie, ça peut être un vice. Oui, si la personne, c'est vraiment pathologique, c'est dans son sang, ok, là, la personne, elle doit partir. Mais si la personne a fait une erreur de parcours sur 15 ans, un homme qui trompe une fois, ça ne veut pas dire forcément que c'est un salopard et c'est une personne qui est mauvaise. C'est peut-être aussi parce qu'il y avait un manquement ou tout simplement parce que, eh bien, il avait envie de découvrir autre chose. Et il ne faut pas oublier qu'un homme, eh bien, quand je dis qu'il est faible, attention, je ne minimise pas, eh bien, votre identité masculine. Mais quand je dis femme... Quand je dis faible, c'est dans le sens que vous avez un côté tentateur, un côté prédateur que, eh bien, comment dire, qui est en avant, que non, vous avez. Dire qu'ils sont faibles, voilà. Mais pas de toute façon, le point faible de l'homme, c'est la femme. Attends, laisse-moi finir. Et ce que je veux dire par là, c'est que si la personne trompe, une fois, oui, je ne le tromperai pas. Parce que, comme j'ai dit la dernière fois, on quitte quelqu'un qui a fait pipi sur nous pour demain retrouver une personne qui fait caca sur toi. Je suis désolée. Non, je suis d'accord. C'est tout à fait ça. En plus, on sait toujours ce qu'on quitte, mais on ne sait jamais ce qu'on va trouver. Ok, donc jamais. Tu réfléchis comme ça pour un homme qui trompe, ok. Mais est-ce que réfléchir comme ça ne donne pas aussi une certaine facilité à l'homme de dire je la trompe de toute façon entre elle et moi, vas-y, c'est. J'ai dit une non, je peux finir, s'il te plaît. Est-ce que c'est pas aussi donner une opportunité aux hommes de se dire de toutes les façons, elle et moi, comme ils disent très bien, c'est ma grossure, elle me quittera pas, vas-y, elle va me bouder pendant une, deux, trois semaines, un mois, et de toutes les façons, on va repartir en mode normal. Est-ce que réfléchir comme ça aussi, c'est pas faciliter la tâche à cette tromperie? Moi, ce que je veux dire par là, c'est que quand l'homme déjà, eh bien, il se dit, ben, de toute façon, je vais la tromper, de toute façon, elle ne dira rien. Ça, c'est déjà une optique qu'il a dès le départ. Donc déjà, il commence la relation sur de mauvaises bases et avec de mauvaises pensées. Non, il commence pas la relation parce qu'elle est déjà engagée, la relation, vous êtes déjà en couple. Oui, mais il a dit quelque chose. Oui, mais comme tu as dit, si je la trompe, oui, mais il a déjà quand même cette pensée-là. Moi, je parle du fait d'une personne qui a vraiment... Il a peut-être pas eu cette pensée, que la pensée, elle est arrivée au moment, il a pensé comme ça au moment où il sait qu'il s'est fait prendre la main dans le sac. Ça existe des hommes qui trompent sans réfléchir. Mm-hmm. Mais c'est après, quand la femme elle les a chopés, mm-hmm. qu'ils commencent à se remettre en question, à réfléchir concernant la situation. Bon, après moi, je ne sais pas toi, quoi te dire. Non, c'est un peu complexe ce que tu es en train de me dire. Ah là. Bon, c'est compliqué? Ouais, c'est un peu... Tu penses que tous les hommes qui trompent, tu penses qu'eux tous, ils disent « Attends, je réfléchis, je la trompe ou pas? Elle va me cramer ou pas? Attends, je le fais ou pas? » Tu penses que tous les hommes réfléchissent? Mais il y a des hommes qui regrettent après la tromperie. Je suis pas en train de... Il y a les regrets, mais il y a aussi la réflexion. Non, mais est-ce que tu penses que la réflexion, elle arrive avant la tromperie? 5 minutes, non, c'est toujours après la tromperie. C'est toujours après. Donc du coup, après, quand toi, ton homme sait que tu réfléchis comme ça, il te voit dans les lèvres en train de réfléchir comme ça, il connaît ta perception des choses par rapport à cette situation, est-ce que aussi c'est pas lui ouvrir la porte en lui disant « Bébé, vas-y, trompe-moi, t'inquiète pas, dans tous les cas, toi et moi, on est calés, on restera ensemble. » Non, mais c'est pas ça qu'on lui dit. C'est pas ça que je suis en train de dire. Non, mais indirectement, si personne. Moi, je leur envoie ça un message. C'est pas ce que je suis en train de dire en fait. J'ai pas dit que parce que je l'ai pardonné une fois, c'est pas dit parce qu'il y aura un bon dos qu'il n'y a pas d'homme fidèle sur terre. Non, il n'y a pas d'homme fidèle par rapport à la foi. Non, il n'y a pas d'homme fidèle. Il n'y a pas d'homme fidèle parce qu'ils ont suffisamment vu les quêtes dans leur vie, ils sont fatigués, ils ont envie de se poser. Non, il n'y a pas d'homme fidèle qui ont envie de se concrétiser, quelque chose de poser avec une personne. Ça ne veut pas dire. Moi, j'y crois. Non, arrêtez de me dire. En fait, le truc à ça. Comme elle a dit, il y a des hommes fidèles. Moi, je ne parle pas... Il y a des hommes fidèles. C'est pas parce que je pense cela que je me dis qu'il n'y a pas des hommes fidèles. Il y en a peut-être peu, puisque je vois l'œil de Yannick. Mais il y a des hommes fidèles. Moi, je suis juste en train de dire, c'est pas parce que je vais pardonner la personne que la personne va recommencer cette erreur-là plusieurs fois et que je vais rester. Non, du tout. Il a fait cette erreur-là. Je vais converser avec lui, savoir ce qui se passe. Est-ce qu'il l'a aimé? Est-ce qu'il a eu des sentiments? Qu'est-ce qui lui plaît chez elle que moi, je n'ai plus? Et moi, j'attacherai mon pagne, je vais serrer les dents et faire des choses pour reconquérir mon mari. Parce que, mais, après tout, je l'aime. Si c'est tromperie, c'est que je l'aime. Moi, c'est que ça m'a fait mal, ça m'a fait quelque chose. Moi, j'ai une autre perception de la situation parce qu'aujourd'hui, je fréquente, j'aide et j'accompagne beaucoup de femmes
qui sont dans l'infidélité, soit chronique, comme tu dis, pathologique, même si la fidélité pathologique, pour moi, elle n'existe pas. Ces femmes-là, elles n'ont pas la même perception que toi, en fait, quand elles sont dans la situation. Alors, du coup, elles... Moi, j'ai envie de dire un truc juste... Mais tu peux la laisser répondre, s'il te plaît. Le truc que je veux te dire, en fait... Tout dépend. Alors, dis-moi, elle, un peu, mais... parce que moi, je suis... Oui, mais tout dépend de leur vécu. Tout dépend de leur vécu. Par exemple, là, je suis en train de suivre une personne. Je suis en train de suivre une personne, là, actuellement. Elle me dit, voilà, mon mari, je sens qu'eh bien, il a moins d'envie dans les rapports. Il est plus, comment dirais-je, il est plus comme avant. Il est plus comme avant et je sens que je ne le fais plus vibrer. Et je lui dis, mais d'accord, mais pourquoi? Mais le truc, c'est que tu parles des femmes infidèles, mais il faudrait des femmes qui subissent cette infidélité chronique. Mais aussi, il faudrait savoir, est-ce que elles aussi, elles n'ont pas fait quelque chose du fait qu'elles ne sont pas entrepreneurs? Par exemple, ma cliente, excusez-moi hein, les internautes, mais je vais être claire. Elle fait l'étoile de mer, elle ne parle pas, elle ne montre pas à l'homme. Mais est-ce que tu parles aussi de toutes les infidélités chroniques, elles sont liées au fait que la femme ne soit pas investie? Je ne dis pas tout à ça, moi, je fais pas. Mais moi, je fais juste en généralité en fait. Un exemple, par exemple, nous chez les Sénégalais, pour avoir ton homme dans ta main, c'est tu sors tout tes attirails en fait. Que ça soit lingerie, bin-bin, bécho, ben oui. Tout en fait. Mais est-ce que ça aujourd'hui... retient l'homme? Ah oui. Ça retient? Tant, si l'homme il voit que tu te donnes à fond, tu le fais plaisir, ça va le toucher en fait. Déjà toi-même tu te fais plaisir. Ben oui. Mais en même temps tu fais plaisir à ton homme. Le gars il va se dire mais ma femme elle a fait ça pour moi. Toutes les femmes qui achètent des bin-bin, qui se remettent en question, qui achètent des trucs de schnickets, qui font la bouffe, qui accueille l'homme même en nuisette, elles ne se font pas tromper. Non, c'est en train de me dire. Justement, c'est en le délaissant, en ne faisant pas sentir qu'il a une femme. Tu vois, c'est là qu'il va s'aller. Il va manquer quelque chose. Par exemple, aujourd'hui, je sais pas, il va vouloir être avec toi. Il y a des femmes qui sont comme ça. Non, j'ai pas envie. Ah, j'ai mal à la tête. Pendant une semaine, deux semaines. Non plus, c'est bien fait pour elle. Voilà. Moi, je parle mais des femmes qui sont investies, qui se mettent à max. Après, ça réellement, et qu'elles se font quand même tromper par leurs hommes. Elles sont nombreuses aujourd'hui. Oui, mais c'est pas parce que tu te fais tromper. Mais c'est pas parce que tu te fais tromper que tu vas divorcer. Tu vas enlever les enfants au papa. C'est non, pour c'est une pas tromperie. Pour une tromperie. Le moi, je pourrais pas. Aujourd'hui, si mon homme me trompe, franchement, je le laisserai pas partir. Au contraire, je vais lui demander à quoi, Sonia. J'ai juste une question. Tu parlais de soumission. Pardon, parce que vous aimez bien ça. Moi, je sais ce que tu as à dire et... Attends, je peux finir. Tu parlais de soumission de ta dame. Tu disais, ouais, t'acceptes d'être soumise. Dans l'intimité, machin avec ton homme, je sais pas quoi. Le fait qu'il te trompe, c'est pas ça aussi d'accepter, entre guillemets... je dis pas qu'il faut accepter à tirer la rigueur, parce que ça, c'est beaucoup trop facile. Je dis pas ça. Il n'y a plus de direct, de toute façon. Je dis pas ça. Mais par contre, je dis. Non, pas sur le truc. Mais par contre, je dis, à chaque fois qu'il te trompe, tu vas le quitter. En gros, c'est ce que tu es en train de dire à ça. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire, avoir un état d'esprit comme ça, c'est peut-être aussi faciliter la tâche aux hommes sur la tromperie. C'est ce que je suis en train de dire. Je suis pour réparer les choses, moi. Quand mes clientes elles viennent me voir, je suis plutôt dans un état d'esprit où on essaye de trouver des solutions à un terrain d'entente de manière à ce que tout le monde trouve son compte. Je ne suis pas dans casser tout de suite, divorcer tout de suite, non. Okay. Jamais. Je ne suis pas dans cet état d'esprit-là. Mais je ne suis pas dans un état d'esprit où il faut que je me dise moi en tant que femme. Si mon homme me trompe, je reste quand même. Non, jamais. Ça, je ne peux pas réfléchir comme ça. Donc, à moi, personnellement, je ne veux pas quitter à chaque fois qu'on trompe. Voilà. C'est trop facile. Tu vas quitter la mer pour aller attraper de la merde. C'est grave. Et puis même, c'est pas ça, c'est difficile à recommencer à zéro, commencer à connaître une personne, commencer à aller. Le réapprendre, placer la confiance. Non. Tu vas faire ça toute ta vie. Si il y a des enfants qui rentrent en jeu, laisse tomber. Voilà. C'est-à-dire, en gros, tu fais 5 enfants. À chaque fois, tu fais des enfants à des pères différents parce que tu as déjà une carte. Bah oui, bah non. Okay. Et puis même, c'est privé les enfants. C'est pour ça qu'on dit qu'une fois que tu es engagé dans le mariage,
c'est pour toute la vie. Meilleur et pour le pire. Mais voilà, pour le meilleur et pour le pire. Même si le pire, il va te tromper gauche, droite, c'est pas grave. Va, mon chéri. Mais quand tu reviens, c'est moi que tu vas tromper. Mais c'est pas tout le temps. Voilà, c'est pas tout le temps. Ils comprennent, ils apprennent de ça. Toutes les semaines. Alors là, je ramène chez sa mère. C'est pas à chaque fois. Mais par contre, en effet, une ou deux tromperies, je vais pas aller quitter parce qu'il m'a trompé. Non, mais une ou deux tromperies en général, la première, non. S'il a bien eu l'ascension qu'il mérite, s'il a bien. Si, je veux pas dire. Ouais, on a créé déjà, un traumatisme dans sa tête, déjà, mais qu'on lui a bien fait comprendre qu'en fait, moi, je ne mange pas de ce pain-là. Je pense que la deuxième, on peut y travailler. Mais si un homme t'a trompé une fois et t'a trompé deux fois, oui, là, la troisième, elle est en cours. Là, non, mais là, c'est juste qu'il attend le bon moment. Non, je suis d'accord avec toi. Mais à partir du moment où le mec dans sa tête, il se dit, tellement tu lui as fait la misère, le mec, il se dit. Lors du premier coup, voilà. Merci. Là, il se dit, putain. Est-ce qu'il faut vraiment. Voilà, là, c'est chaud, il faut comment que je fasse un truc. Voilà, là, il faut que je me canalise. Voilà. Déjà, à partir du moment où il y a ça, il y a un travail qui est fait sur lui et c'est géré. Effectivement, là, par contre, ça n'empêchera pas qu'il te retrompera. Ça se trouve après, mais il y réfléchira 15 milliards de fois. Avant de le faire, parce qu'il sera là, son son derrière. Mais si toi, déjà, tu es dans un état d'esprit où tu te dis, vas-y, trompe-moi. Oui, mais aussi, je suis là. Non. Mais faut dire que dès l'assomption, lors de la première tromperie, elle doit être lourde. Faut dire aussi aux femmes, dès qu'elles se font tromper. Ah, t'as perdu ma confiance, non. Au contraire, là tu vas plus pousser l'homme à partir en fait. Mm-hmm. Bah oui, le fait que tu vas toujours le rabattre, en fait, à chaque discussion, tu vas dire, ouais, mais toi tu m'as trompé. Non, je dis à mes clientes, si vous êtes trompé à partir du moment où vous avez décidé de rester dans cette relation, faut pardonner, aller de l'avant, progresser dans la relation. Voilà. Et pas forcément le rappeler dès que le gars il a cassé une assiette, ouais, tu m'as trompé, oublie pas. Sauf qu'il y a des l'assiette, machin, il y a des méthodes. Sauf qu'il y a des femmes qui sont carrément. Voilà. Ouais, on va rentrer chez nous, je crois. C'est pas vrai. Elles sont là. Ouais, non, toi, tu m'as trompé. Rappelle-toi telle date à telle heure. Non, c'est pas comme ça. Au contraire, là, tu vas plus pousser à l'heure. On va se dire, mais en fait, je t'ai trompé, tu vas me casser les. Excusez-moi du terme, les couilles. Donc, non, en fait, je vais aller là où j'ai la paix, en fait. Ben oui, c'est sûr. Mais c'est ce que la Zoumo disait concrètement. C'est ça. Aujourd'hui, la femme, elle a tout pour plaire, mais elle se fait quand même tromper. Parce que le comportement ne va pas avec les choses. Et là, il l'a clairement dit, il l'a clairement fait comprendre lors de son apparition ici dans l'émission Désiré devient. C'est que si t'as un homme, et que, si t'es une femme et que t'as vraiment tout, tu fais tout, bim bim, etc., et que malgré ça, ton mec il tombe, remets-toi en question. C'est important. Est-ce que tu lui casses pas trop les couilles? Est-ce qu'il manque pas quelque chose? Est-ce que tu schlingues pas? Est-ce que. Voilà. Il faut se remettre en question. Mais après, l'idée est de vraiment faire comprendre à l'homme que si tu me trompes, il y a des risques derrière. Oui, et si tu lui dis, bébé, vas-y, trompe-moi dans tous les cas, je suis là, là, il n'y a pas de risque derrière, et je te jure qu'il trompera encore et encore, parce qu'il saura que dans tous les cas, vous êtes calé et que c'est acquis. Et comme elle le dit tout le temps, Logan, faut pas se reposer sur ses lauriers. Tu le dis bien tout le temps. Bien sûr qu'un homme peut être fidèle. Après, il s'est pris. C'est une erreur, c'est une habitude à ça. Non, mais voilà, ça peut très bien arriver trois fois et ne pas être une habitude. Hein. Ça peut être trois fois sur cinq ans. Trois fois trois tromperies sur cinq ans, c'est pas une habitude. Moi, t'expliques-moi pourquoi tu dis que l'homme peut être fidèle. C'est clair. Donc, voilà. Sujet clos. On va l'adresser, nous. On n'a même pas dit au revoir aux gens. Où est-ce qu'on peut te retrouver hier? Pour les personnes. Ah, excusez-moi. mon Facebook, Miyamoda, vu qu'il y a beaucoup de Miyamoda, entre. Ah bon, c'est vrai ça? Ah, il y en a énormément. Pourquoi changer? Je sais pas. Peut-être que c'est le Miyamoda qui l'est. on le mettra bien. Mais je crois que moi aussi, il faut que j'aille déposer une licence pour désirer devenir, non? Mais en fait, on est en direct là, t'as vu? Vous pouvez me retrouver sur mon. Non, il va couper, Yannick, je le connais, c'est ma meilleure amie, Yannick. Hey. Oui, vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook Miyamoda, mon Instagram Djangoma et mon Snapchat Djangoma. Et puis voilà, c'est tout. Hein. Sinon, je vous dis joyeux Noël à la prochaine. Joyeux Noël, on ne voit plus. C'est mon signe à quoi. Ok. Joyeux Noël. Sonia, je ne présente pas. Moi, j'ai rien à présenter. Pas... Ok, Logan, vas-y, je t'en prie. Donc, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Christelle Borde, et entre parenthèses, il y a marqué Logan, ma sœur. Et sinon, Crystal Dream, hein, puisque ça regroupe toutes mes pages. Sur Instagram aussi, Crystal Dream. Et puis, à bientôt. Mon site internet, www.crystaldreams.fr. Vous pouvez voir tout.
tous mes produits, que ce soit eh bien, les secrets de femmes et les produits voilà, minceur ou pour la prise de poids pour les personnes qui souhaitent voilà, grossir également. Voilà. Assa, votre psychologue coach, conseillère en images, votre relookeuse, www.3desir.com. Ah, il a. On va m'apprécier de nous. Ouais, tu l'as coupé, d'accord. Je reprends. www.desiredevient.com. N'hésitez pas à me contacter. Je fais des thérapies de couple, des accompagnements psychologiques, du coaching, de manière à vraiment vous aider à vous développer et sortir le meilleur de vous-même, donc la perle rare qui est cachée en vous.